Regardez bien la team, ma mère. C'est tout le temps les mêmes scénarios. Bonjour mon fils, après la mort de ton père, il n'a pu nous laisser que sa voiture. Vends cette voiture, gagne de l'argent et trouve-toi un travail. Sinon, je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir. C'est d'accord, maman. Maman, c'est d'accord. Sortir du bâtiment. Mettre en vente la voiture familiale. Mettez votre véhicule en vente, attendez que les gens viennent acheter votre véhicule. Petite BM, le daron! C'est normal que parfois mon perso il soit bloqué ou pas? Le jeu, c'est pas la maxi fluidité, hein. Appuyez pour mettre en vente. Attendez l'acheteur. Mais les gars, le jeu il est full bug. Parfois t'avances, ça avance pas. BMW M3 E30. Mais les gars, mon perso il arrête de se déplacer parfois. C'est le bouseux qui va se pointer. Mais faut attendre combien de temps? Attendre l'acheteur. Je me casse. La gueule de la minimap par contre, c'est Google Maps il y a 15 ans. Les gars, je me barre du jeu. Je suis le premier mec à faire ça du jeu. Parlez à l'acheteur. What? Mais y'a personne. Attends, vous croyez qu'il y a une limite dans le jeu, chat? Genre là, je me casse tout droit. Vous pensez que je peux aller jusqu'à où? Venez, on fait un autre jeu. Mais les gars, le jeu... Attendez. Mais je peux aller jusqu'à où, what the fuck? Et pourquoi il y a des étoiles en haut comme dans GTA? Mais attendez, la map elle est immense par contre là. C'est un open world en fait, mais attendez, mais vraiment c'est abusé là la taille du truc. Ah non, ok, j'ai cru que j'étais bloqué. Petite pensée à l'acheteur qui attend devant la caisse, c'est réel. Mais les gars? Non mais par contre, c'est quoi ce bordel là? C'est la station service? Oh non, je suis bloqué. Oh non, je suis bloqué. Ok, c'est bon. C'est un easter egg! Mais je suis bloqué, putain, il est con ce jeu! Je reviendrai la nuit. Mais les gars, le jeu, il est bugué ou pas? Est-ce que les gens que vous avez vu jouer, ils râlaient? Non, perso, non, jamais. Mais moi, perso, mon perso, parfois, il s'arrête et je peux plus rien faire, genre. Mais les gars, mais il y a une ville, c'est quoi ce bordel? Je me casse. Je me casse. Manque de batterie sur le clavier. Non, il est branché là. Attendez, je dois spammer. Mais attendez, là, je vais sortir du jeu, hein. Je spam pour glitch. Ok. Ok. En mode inox tag. Mais les gars, mais par contre, ils ont modélisé le jeu tellement loin. C'est quoi ce bordel? Mais si tu fais un jeu sans glitch un jour, je pense que la planète explose. Mais j'aime trop glitcher, je sais pas. Ou chercher des conneries et tout. C'est marrant, non? Moi, j'aime bien faire ça. Quand tu spams, ça monte. Attendez, mais j'y vais où? Non mais là c'est n'importe quoi par contre. Ah, je suis à la limite du jeu je crois. Ok. J'ai réussi à passer autour je crois. Attends. Là je sens que je suis à une barrière. Oh oui, 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 j'ai fait le tour. Oh, let's go. Je suis bloqué. Oh non. Ok.
peux pas aller plus loin les gars là, je crois que j'ai cassé le truc. Ok, nice. Horrible son, désolé, je fais que spam pour passer les trucs. Les barrières. Et pourquoi ça fait un bruit de cheval au galop cette merde? Je vais baisser un peu le son du jeu. Coucou tout le monde, ça farte et toi Ricky? Ça se voit qu'il y a plus rien. Oh, il y a encore un bâtiment? Mais attendez, mais le jeu il est gigantesque par contre, c'est quoi ce bordel? Genre ça veut dire que le jeu a prévu qu'on aille là? Je vais mettre 2 ans à revenir là. Ce mec a 2750 subs. Bah oui, pourquoi? Angel, t'es pas content de mon contenu? Dis-le tout de suite. Mais les gars, acheter une barbe à pas, 40$. Oh, c'est hyper cher. Mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? J'espère que vous kiffez les graphismes de la team, en tout cas. C'est très très stylé, hein. Elle fait acheter quoi, elle? Des fleurs. Ah bah oui. Les gars, vous kiffez le fleuriste ou pas? Oh, what the fuck? Comment je rentre à la maison? Signaler un bug, non, rentrer à la maison. Je rentre pas à pied, hein, je retourne au menu. Oui. Je retourne au menu, les gars. C'est là, là, c'est trop long. Putain, ma nuque. Allez, let's go, on repart pour vendre la voiture de la, du padré. De feu notre père. Let's go, easy. Mail. Maman qui me raconte, papa il est mort. Ok. Vendre la voiture. Je connais tout maintenant. Ah, c'est plus fluide là, y'a pas le, le bug de tout à l'heure, je crois. Ah si, bon, bah super. Et là, attends l'acheteur. Mais je crois qu'il va se téléporter l'acheteur, hein. Genre là, j'appuie pour aller à gauche, mais mon perso il veut pas y aller. Ah, il est là. Mais il sort d'où? Mais tu sors d'où, mon ref? Il a quoi à l'oreille? Ah, c'est des piercings. Tu découvres, va jamais jouer. L'acheteur attend à côté du véhicule. Bonjour, je suis ici pour acheter votre voiture. Bienvenue. Mon véhicule n'est pas à vendre. Bienvenue, bien sûr. Je veux 4000$ comme l'annonce. Mon offre est de 3800. Je ne peux pas accepter cela. Mon offre est de... Oui, Charlotte, la team. Je suis d'accord, mon offre est de 3800. Je ne peux pas accepter. Suggérer. Quoi? Mais fils de pute, ça a aucun... C'est quoi cette traduction de merde? Merci Cutie pour les 26 mois. Mais j'ai vendu combien du coup? Mais j'ai 3000$! Mais c'est toi là, mais apprends à lire. Mais comment ça? J'étais en pleine négociation. Let's go. Merci Capsolar. Mon perso il veut plus avancer. Putain, c'est de la merde ce jeu. Merci Speedou. Atteindre la station. Oh là là. Ça commence, je me suis déjà fait enfler de 500 balles. On voit pas les tâches. Vas-y, attends, Jade, je bouge ma tête. J'ai bien compris que je posais problème de toute façon dans cette communauté. 2 ans déjà. Je me mets de ce côté, ok, chat? Merci, Amy. Je veux pas 3800$, je voulais 3800$. J'avais pas capté que c'était ça le problème, putain. Merci, H. Station service, bazar. Boîte de nuit. Concession, entrepôt. Station service. Je sais pas comment on a, comment on dit. Gas station. Station service, j'ai dit, putain. Compléter le processus d'achat en interagissant avec les barrières. Oui, monsieur. Bonjour, bonjour. Premier livre que je vois de ta part cette année. Bonne année. Bonne année, H. Merci beaucoup pour les 8 mois, c'est gentil. 1000$. Ramassez les déchets autour de la station et jetez-les à la poubelle. Nettoyez la saleté à l'aide d'une serpillière. Vous pouvez jeter les déchets avec clic gauche.
Mais faut que je les mette où? Elle est où la poubelle? Ah. Top. Ça va me prendre 2 ans les mecs, non? En vrai. J'ai un chien. Il a pas faim. Ok, top. C'est House Flipper en fait. Bah, pas trop quoi. C'est un peu Gas Station Simulator, mais en pourri, j'ai l'impression. Mais après, j'ai pas joué, donc j'attends de voir. Parce qu'en vrai de vrai, c'est dur de faire mieux que Gas Station Simulator, les gars. Gas Station Simulator, c'était vraiment un banger, hein. Banger, il est vraiment bien, chat. Ok, et ok. Je vais mettre ça à la poubelle. Le terrain est déjà clean. Hein. On peut pas dire qu'il vend du rêve en tout cas. Il faut pas juger un livre à sa couverture focus. Tu te rappelles quand t'as dit ça? C'était il y a pas si longtemps que ça. Mise à niveau, t'as besoin d'un marteau. Oh la vache, ça, c'est compliqué de tout remettre sur pied là. T'as entendu parler de One Human? Non, ça me dit absolument rien. C'est quoi One Human? Dis-moi en plus. Ok. Et ok. Les poubelles font un bout de caillou. Regarde, y'a que ça qui choque. Regarde la taille, la forme du tas. On dirait les nichons de Lara Croft dans les premiers épisodes, dans les premiers jeux. Tu peux lancer la poubelle. Oh putain. Ok, ok. Easy. Les gars, regardez bien. Si je le mets first try, oh petit chat. Il est pas bugué en plus. Si je le mets d'ici les gars, tout le monde offre 5 subs, ok? Ok, attendez, attendez, j'ai le droit à 3 chances. J'ai le droit à 3 chances. J'ai le droit à 3 chances. Elle est où la poubelle? Le mec, elle est où ma poubelle? Elle est rentrée, je pense. Le fait que mon personnage fasse un bruit de t'as pas compris le jeu, Loupi? Mais merci pour les 5 subs, merci mon poulet, c'est gentil. Bienvenue aux 5 nouveaux. Bienvenue aux 5 nouveaux, merci pour ça. Y'a plus de poubelle, en fait, c'est que des améliorations, tout ça, là. Il me faut un marteau. Commande de ramassage des ordures de la station-service, appuie sur E sur la benne à ordures. Ok. L'Inca, il a loupi la poubelle. J'ai pas loupi la poubelle, j'ai eu la poubelle. Oh, nouveau. Les gars, regardez, regardez, regardez. Juste avant qu'il arrive. Guettez ça, les gars. 5 subs si je le mets. Ok, attendez, je vais refaire un petit coup. J'ai le droit à une autre chance. Ok, ok, ok. Attendez, parce que là, il va partir sans ma poubelle du coup. Il faut que je fasse un truc là. Enfoncer pour terminer l'opération. Ça c'est du gaming ça. Équiper le marteau. Tâche du didacticiel, équiper le marteau. Comment je fais, chat? Dépannage, mini-jeu, caméra, appareil photo, galerie. Comment j'équipe le marteau? Il est par terre. Ah là-bas, ça brille. Ok, easy. Réparer le magasin avec le marteau. Le magasin, ok. Pour le moment, c'est easy. Eux, enfoncés pour réparer 200$. Ah oui, c'est pas rien. Hein. Oh, waouh. Les gars... Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce qu'on n'est pas tranquille? Ça c'est du lourd hein. J'ai full bug, mon perso il refuse d'avancer par contre. $250. Je répare les pompes. Mais les gars,
C'est déjà gagné en fait. C'est quoi ça? La durabilité des WC, on verra ça plus tard. Hein. Ok. Commande la caisse enregistreuse, tape pour ouvrir la tablette. Zonama, caisse enregistreuse. Ajouter, commander et payer. Easy, attendez que le livreur arrive. Chiche, merci Loupi. Merci beaucoup, c'est gentil, merci pour le soutien. T'as plusieurs niveaux de ta station, plus tu améliores, plus elle sera belle et grande. Andre. André, je sais pas ce que c'est ton nom. Tu me prends pour un lapin de 6 semaines ou quoi? Tu crois que je connais pas ce style de jeu? Ce genre de jeu, je vole dessus, moi. Je vais tout éclater. Attendez que le livreur vous livre, mais il faut que je fasse un truc avec ça, là. Oh! Really? Hey, oh! Connard! Tu jettes pas comme ça! Vous pensez qu'il va jusqu'à où? Mais les gars, le jeu, ils ont prévu de le faire partir où? Non mais attendez les gars, vraie question là. Mais il disparaît jamais en fait le mec. Oh! Mais oh non, what the fuck? Les gars, tu veux vraiment continuer à faire ça? Oui. Et les gars? Est-ce que il y a eu un chargement, j'ai vu en bas? Vous pensez qu'il y a un moment où je vais passer dans l'autre monde ou pas? Ok, je sais pas, je cherche pas à comprendre, c'est pas grave. Il cache quelque chose ce jeu, c'est vrai. Déjà, est-ce que les gens qui ont vu des streams sur ce jeu, vous aviez les gens qui jouent comme moi sont allés là-bas ou pas? Ou est-ce que vous venez de découvrir un truc extrême grâce à moi? Jamais vu ça. Et voilà les mecs. Et voilà. Vous savez où ça se trouve ce genre d'exclus? C'est ici et nulle part ailleurs. Faut que je fasse quoi? Commande une livraison de carburant avec la tablette. Choisis le montant. Tout. Camion citerne en route. On peut backseat ou pas? Oh que non! Oh que non! J'ai pas besoin d'aide pour rouler sur le jeu. Parcours! Oh? C'est quoi ça? Ah, en gros, tu répares là et après, ça sera la station de lance à eau, quoi. En plus, tu veux backseat quoi? Tu devrais mettre de l'essence dans la station service. Merci, mon ref. Parcours! La vache, c'est long! Je peux me faire écraser ou pas? Mais les gars, ils sont pas commodes les gens qui. Les gens du jeu là. Hein. J'ai envie de rentrer dans la voiture, mais je peux pas. Mec, mais il fait quoi? Oh oui, j'ai réussi! Les gars, je reste dessus et après je pars là où il m'emmène. Vous pensez qu'il prend un portail lui aussi ou pas? Oh non, bâtard! Eh merde, on saura jamais. Bon, tant pis. Tant pis, je serai sorti du jeu, les gars. Attendre le premier client. Mais elle est pourrie, ma... Elle est pourrie et sale! Oh, y'a un client, je suis bloqué! Mais il est pourri ce jeu! Les gars, je suis bugué de partout! Qui a chié? C'est vrai ça! Oh. Bonjour madame! Qu'est-ce que je vous mets? Qu'est-ce que je vous sers?
comment on fait? Eux ont foncé pour remplir. Ça a coûté une fortune, madame, hein? Attends, on est pas très cher, hein, on est à presque un dollar le litre. Ah mais non, c'est des pourcents, c'est pas des litres, je suis con. Bon, moi, je sais pas comment ça coûte, alors. Le bruit de ma station, elle est miteuse. C'est tellement fort. Bonjour, madame. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout, madame. Ça va, la tête? En ce moment? Ok, top. Allez, j'y vais. Mais c'est long, oh là là! Attends que le véhicule ait fait le plein. Mais attends, en une seconde, elle m'a tout dégueulassé! Tiens, pétasse. Oh merde. Les gars, je ne peux plus bouger, genre toutes les secondes, je suis bloqué dans le jeu. Mais elle se barre. Mais connasse, ta voiture? Mais elle va où? Mais elle fait quoi, les gars? Oh non, ça allait sur le toit de ma station de service. Putain, mais tout est dégueu. Bon bah, c'est sale pour toujours, hein. Te payer, mais elle a pas besoin de faire le tour du monde pour ça, hein. Bon bah, attends, je vais l'encaisser. T'as mis la commande en allant à la caisse et en interagissant avec la caisse. Les gars, c'est full bugué, je peux pas avancer là encore. 84 dollars. Oh, bah pourquoi elle est pas contente? Mais sale pute, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? En plus, elle regarde mal et tout, elle est pas commode. Commande une autre pompe à essence pour ouvrir... Attends. Je comprends pas, tu as jeté la canette, mais elle peut pas savoir. Oh non, c'est là mon truc. Les gars, c'est le système de lancer est horrible dans le jeu. Ok, là elle se barre. Elle revient plus jamais ici, connasse. J'ai bien dit là. Et regarde le jeu de regard, qu'est-ce qu'il y a? Baisse les yeux. Comment elle regarde? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Reviens. Reviens. Elle me roule dessus. Merci, merci Canadon, merci beaucoup. Ok, le livreur, le grand comeback. Il s'est barré. On va mettre ça là-bas en speed et on enchaîne. Elle force le passage, je te jure, elle recule devant rien. Commande un toilette. Hop, commander et payer. Je vous souhaite une bonne année. Merci Mel, merci beaucoup. De l'amitié, la santé et surtout la thune. Donc on se subaligne câlin cajam. Putain, la thune, c'est le moins important, les gars. Priorité à la santé et à l'amitié. Je vous jure, c'est vrai, je vous jure, faites-moi confiance, c'est un vieux sage qui vous le dit. C'est un vieux sage qui vous le dit, je suis un vieux sage. Allez, livreur, dépêche-toi. Un très très vieux sage. C'est bon, Lucky, c'est bon. Une antiquité, c'est bon. Doucement, il y a un cœur qui bat là-dessous quand même. Really? Merci, bro. Les chiottes, là-bas. En détente, un petit coin de paradis. C'est vraiment c'est les chiottes de Shrek. Ok, ça c'est bon. Peu de clients viennent pendant la nuit. Je rentre chez moi en bus. Ok. Et à la maison. Allez hop les gars, première journée de taf. La team. Ah. Ah. Dormir dans son lit. Pour le moment, on roule sur le jeu les gars. Ils sont gratuits les toilettes. Oh, j'espère que non. Hein. J'espère que non. What the fuck? T'es qui toi? Parler amour de la petite amie. Bien bébé, et toi? Conneuf bébé, fermez-la! Bien bébé, et toi? Tu as pris quelque chose pour moi? Voici mon cadeau bébé, obligatoire. Je ne l'ai pas.
Oh non, mais qui me réveille? Salut à tous, bonne année à tous et meilleurs. Tu me réveilles? Linkalof, je claque mon prime pour mon anniversaire. À dans un mois, Linkamour. Bébé, mais t'as pas dormi de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Merci, Travix. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Fermez-la. Amour de la petite amie, 42. Non, mais je veux qu'elle m'aime plus! C'est la réponse à tout. C'est la réponse à l'univers. Il me faut un cadeau. Je vais chez la fleuriste. Je vais chez la fleuriste et je retourne à la maison avant ma journée de travail pour que l'amour y passe au moins à 50. Boîte de nuit, bazar. Terminé le tutoriel. Oh là là! Ok, le bus arrive. Tâche de prendre le bus pour la station service, c'est bon. Étagère, ok, je finis le tuto les gars, après je vais au casino gagner de la thune et j'achète des cadeaux à ma femme. Une étagère? Mais c'est dans quoi? Lieu très sale, mais salope, c'est toi qui as jeté le truc par terre. Ok, c'est bon. Je paye. Bonne année, bonne santé et plein de... Merci pour ça, merci. Les insultes, chef, je m'en fous. J'ai plus rien à perdre. Tu vois bien ce qu'elle a fait, elle a coulé mon business. Elle me met une note défavorable alors que c'est elle qui a tout sali. Elle mérite toutes les insultes de la terre, même plus encore. Les arbres sont légers ici. Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air en détente. Allez, vas-y, cours. Really? Yo. Merci mec. Merci beaucoup. Commander du cola. Putain, c'est pas possible. $60. Merci Rob, merci beaucoup. Mais c'est quand la fin du didacticiel? Moi je veux juste aller comment? Jouer au casino et offrir des cadeaux à ma femme. Je veux que l'amour de ma femme il soit sans fermer là. C'est réaliste, ils jettent les colis comme cours de poche, je te jure que c'est ça. Nettoyer le sol avec la serpillière, mais j'ai pas de serpillière moi. Tu vois, je peux pas prendre le balai encore. C'est la prochaine tâche du didacticiel, je pense que c'est obligé d'avoir une mauvaise note. Pensez à voler d'être une à Jeff si vous le pouvez. Merci la boubou d'avoir volé Jeff, c'est très gentil. Really? Hop là, t'as même pas eu le temps de le lancer par terre, mon couillon. $60, 5 canettes. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Nous sommes fiers de vous annoncer que vous avez enfin réussi à ouvrir votre entreprise. Pourquoi il me parle comme ça, mon oncle? N'oubliez pas qu'il y a beaucoup à faire dans les environs. Envisagez d'améliorer votre station, d'étendre votre marché, de moderniser vos pompes, de renouveler vos toilettes, d'embaucher de nouveaux employés. De tels développements attireront des clients plus nombreux et plus fortunés à la station. Ok. La musique du jeu, les gars. C'est l'heure d'acheter un cadeau pour ma moitié. Remake de la soupe aux choux, je te jure, la musique elle est catastrophe. Faites que l'amour de ma femme passe à 100, s'il vous plaît. Faut que je me fasse pardonner parce que j'ai dit fermez là hier. Je peux pas lui parler. J'ai dit fermez là, du coup elle me parle plus. Oh non, non. Je peux pas lui parler, les gars. Bah attendez, je pose ça là. Je lui offrirai ce soir, putain, on peut pas. Rien d'illégal trouvé. Quoi? Rien d'illégal trouvé? Oh, la musique du jeu. C'était où le casino? Il faut y aller la nuit, c'est ça?
Entrepôt, commissariat, boîte de nuit. Ah non, mais c'était une boîte de nuit, c'était pas un casino, les mecs. J'étais trop heureux, j'étais trop chaud de jouer au casino en vrai. La musique. Les gars, y a rien qui va, c'est catastrophique. Musique de la 2015, plus encore. Ok. Oh, des clients. Oh non. Oh non. La station a continué de tourner pendant que j'étais pas là. Oh la catastrophe. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il tousse et tout, il a dû s'enrhumer, ça fait 10 jours qu'il est là, le mec. Est-ce que je peux nettoyer pendant ce temps? Oh oui, je peux. Ok, c'est parti, je nettoie le caca. Hop, c'est bon. Elles en sont où les pompes? 78% et monsieur, 92%. Allez, hop. Je suis bloqué, je peux rien faire. Et eux marchent pas. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh, les gars, ils buguent tellement le jeu. Ok, ça va, je peux arriver avant eux. J'ai de la chance que ce soit mal fait et qu'ils doivent faire le tour. Comment j'ouvre mon inventaire, chat? Ok. Faut vite que je les accueille dans le propre. Good morning. Oh, good morning, monsieur. Mais il boude encore. Putain, c'est pas possible. Good morning. Je comprends pas. Ok. Ok. Les gars, c'est sans tuto ce que je fais là. Là, je suis à la dure. Mais les gars, c'est une copie vraiment de... Bye, have a great time. De Gas Simulation, mais en pourri. Je suis bloqué. Ok, c'est bon. Genre, c'est vraiment ça, mais en nul. Comme un lieu pour Béton Brutal. Non, Béton Brutal, c'est incroyable. Par contre, Focus, je peux pas te laisser dire ça. Vraiment, Béton Brutal, c'est une dinguerie. Ok. Oui, mais Only Up, pâle copie. En vrai, moi je trouve que Only Up, c'est pas une pâle copie. Hein. Boissons sont pas froides. Bah ouais, connard, c'est le début. C'est le début en fait. Ok, je prends un peu des trucs. Ok, j'ai combien de dollars là? Il me manque une étagère. Ok, j'enlève. Ça, c'était trop cher. Là, j'ai une commande, les gars. Laissez tomber. J'ai vraiment une commande de fou. Il y a un client. Je trace, je ramasse les poubelles. Les gars, je vous jure, je vais choquer la terre entière. Je vais être la meilleure station-service de tout l'Ouest. Ok, ça, c'est good. Bonjour, bonjour, monsieur. Bougez pas, je m'occupe de tout, monsieur. Hop, prenez votre temps pour faire ce que vous voulez. Je vais ramasser les trucs pour laver les chiottes et tout. Ok. J'enlève toutes les saletés. Et là, c'est mort. J'aurais pu une seule mauvaise note, les gars. Ah ouais, il y a du caca partout, j'avoue. Là, les clients, ils marchent dans le caca quand ils viennent. Les gens qui ont fait le jeu, les gars, que vous avez vu, ils ont kiffé ou pas? Juste avant dans quoi je m'embarque là. Merci Seigneur, merci. Salut, beaucoup pour les deux ans de soutien. Je t'offre comment moi. Putain, deux ans, c'est beau ça. J'utiliserai très bien, il me permettra d'avoir une maison dans ma vie et de nourrir ma fille. Oui, oui, ok, ok, tout le monde a aimé, ok. Par contre, la commande que j'ai faite, elle prend longtemps là. Ah bah il arrive. Ah bah oui, mais ça doit être lourd. Ça doit être trop lourd là en fait.
Ok, ça c'est fini. J'enlève. Ok. Madame, bonjour. Patientez tranquillement. En fait, ils mettent du temps de fou, regarde. J'ai le temps de poser mon étagère et tout, là, je pense, hein. Oh, mais merde, y'a pas tout. Good morning. Attends, mais je comprends pas comment ça marche. F pour en prendre un. Mais attends, la mise en rayon, elle est chaotique, là. Ok. La mise en rayon, elle est horrible. Ok, il y a mes commandes qui sont arrivées, mes autres. Là, c'est mon lait. Mais les gars, pourquoi ils mettent tout par terre, les gens? Good morning. Mais les gars, tout est chaotique. Oh là là, le lancer. Mais les gars, tout le monde est déport. Bonjour madame. Bon alors attendez. C'est déjà la merde en gestion. Quitte à coincer ce jeu, donne le pseudo, je sais plus. C'est quelqu'un qui m'avait dit d'y jouer dans le chat. Ok, bonne journée madame. Ok. Genre pour le moment c'est catastrophique, mais je pense que ça va devenir bien. Elle, faut que je lui débranche le truc, sinon elle va m'arracher toute la pompe. Ok. On attend les clients, on tèche ça. Les bugs, c'est un peu désagréable. Par contre, mon perso qui arrête de bouger, là, c'est horrible. Ok, ça c'est bon. J'ai mes livraisons qui arrivent. Nouveau client. Mais elle est déjà pas contente alors qu'elle est même pas arrivée. Genre, elle a fait un emoji triste à la première seconde. Laisse-moi le temps, en fait. Ok, ça c'est bon. Il me faut la nouvelle étagère. Il veut vraiment pas me donner l'étagère, le pote. Tu peux reset l'emplacement en ouvrant la tablette. Comment ça, reset l'emplacement? Putain, c'est horrible, les gars, j'en peux plus. Je suis encore bloqué. Mais je vais tout casser! Oh là là, bordel, c'est infâme! Ok. Les gars, c'est horrible. Je suis encore bloqué dans le sol là. J'essaie de bouger, je peux pas. Ah, ça met tout en bordel. Tiens, j'ai de nouveaux clients là-bas. L'étagère, elle est toujours pas là. Ok, c'est pas grave, je vais gérer les clients là-bas. La catastrophe. Donc, elle, c'est bon. Ok. Elle, madame, patientez 2 secondes. M'occuper de ma cliente là-bas en speed. Garde les cartons dans les mains pour mettre dans les étagères. Ben, je sais pas, je vous pouvais pas, je crois, là. Attends, je vais tester. Allez, aux chiottes, là, j'ai le temps. E pour ajouter. Ah, putain, merci, beau gosse. Ok. Ok, ça va me faire bien gagner du temps. Good morning. Good morning, j'arrive. Bougez pas, madame. Mets des petites clopes, là. Hop, là, voilà. On peut s'en fumer la gueule, maintenant. Hop. Oh, 100 balles de caisse, les gars. Mais je suis riche, en vrai, là. Vous savez que ça va remonter vraiment vite, je pense. Comment je fais pour mettre plus en rayon? Quelqu'un a dit, mais tiens, les employés peuvent remplir. Je sais pas comment on fait. Merci, Miss.
Okay. Ah, je peux mettre depuis le truc achat. Ok, attendez, là j'ai 200 balles, je vais racheter des trucs. Oh là là, mes avis. Oh, les bâtards. Mais par contre, attendez, j'ai acheté une étagère, elle est jamais arrivée là, je viens de calculer. Ah bah elle est là. Elle est arrivée en dernière évidemment. C'est pas drôle sinon. Ok, ça c'est bon. Elle, elle arrive, je vais l'encaisser. Ça, je récupère le pistolet. Ok, ça, là-bas. Et merde. Lieu très sale, bah, pourtant j'ai passé le balai partout. Attention aux voleurs de livraison. Tu peux cliquer directement sur l'étagère et ajouter les items. Amuse-toi bien. Merci, Miss. Ok. Ok, au revoir, madame. Elle est encore pas contente, je vais devenir fou. Je pense qu'il me manque des trucs là. Ah, armoire réfrigérée. Oh, c'est trop cher. C'est trop cher, ça va attendre. Hein. Climatiseur. Vous pensez qu'il faut prendre un peu de tout, chat, ou pas? Propreté à 1 à gauche. Bah, ma propreté, elle est bien, je suis pas du tout dans le rouge, genre. Prends une poubelle. Mais j'en ai une, j'ai une gigabenne. Ok. Je prends ça. Ça, pour être cosy. Oh, c'est tellement cher les trucs, la vache. Ok les gars, traitez-moi de fou, mais je prends un tableau. Pour la décoration. Ça va m'apporter du monde. Les gars, vous allez voir. La décoration va tout changer. Oh non, il y a déjà des gens. Il y a de la merde partout. Ok. C'est la faillite. C'est plus dur que ce que... C'est plus dur qu'il n'y paraît, les gars. Elle est buggée, elle. Mais madame, ça va? Elle était là il y a 2 ans. Madame ? Madame, vous allez bien ? C'était pour son bien, les gars. C'était juste pour la débugger, en vrai. Hein. Mais madame, vous êtes horriblement sale. Elle convulse. Bah, c'était pour qu'elle se ressaisisse. Ok. Pour la mise à niveau, t'as besoin d'un marteau. Mais j'en ai un. Oh! Ah putain, mais c'est ça que j'aurais dû faire! Station de lavage, 300 balles! Au lieu d'acheter un cadre à la con! C'est du caca, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Merci mamie. Déjà propre, on dirait pas, mais bon. Mais j'ai envie d'y croire. Merci pour les 7 mois. Mais attendez, mais là j'ai des clients de partout là. Ça afflue du monde entier. Oh là là. Mais c'est pas possible. Good morning. Mais c'est quoi ça? Ah, elle me l'a posé pour monter une poubelle. Ok. Bonne journée, madame. Elle a pas l'air très contente. Ok, j'ai une poubelle. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que ça va m'aider de fou. Et ça... Voilà, là, ça change tout. Regardez tout de suite l'ambiance. Regardez tout de suite l'ambiance. Ils veulent que je fasse une crise cardiaque en live ou quoi? Je suis bloqué dans le truc.
tu t'es réveillé. Non mais attends, c'est grave de faire ça, c'est hyper dangereux pour la santé hein. Attendez, j'enlève ça pour partir, purée. Je peux avoir un employé mais la flemme ça va me coûter trop cher. Je suis à 110$ là, c'est la merde. Really? Faut que tu commandes de l'essence, le niveau est bas, mais j'ai 100 balles. Comment je fais pour poser ça, les gars, pour le papier toilette? Ça se met là-bas, peut-être? Les gars, je fais quoi avec mon papier toilette, là? J'ai pas le choix, ça marchait pas. Mais les gars? Mais on en fait quoi du PQ dans le jeu? Faut un dérouleur de PQ, oh non. Attends, je vais commander. Oh. J'ai même pas les sous, c'est 125$ un dérouleur, un porte PQ? Attendez, faut que j'encaisse un client ou deux là. C'est vrai que c'est la même musique depuis tout à l'heure encore. Vraiment, Spotify, c'est trop de la merde. Hein. C'est une dinguerie comment c'est de la merde. Good morning. Good morning. Hmm. C'est bon, je passe en mode enflure, les gars. Je passe en mode enflure. Là, on va avoir full thune. Faudrait que t'économises pour acheter un frigo. Pas de ça chez moi. Attends, quoi? Hey! Hey! Oh non! Oh non, c'était mon tableau. Je peux plus l'enlever. Et je suis bloqué. Attendez, c'était mon tableau et en plus je suis bloqué. Oh là là, la catastrophe encore. Mais elle vient de faire ses courses comme un supérette. Moi je veux que pour mes clients, madame. 60$. Oh là oui. Viens par là toi. Bye bye. Bye bye. Oh, il est pas content. Tu fais non, mais j'avais pas vu moi que c'était ça. Mais comment je le récupère, les gars? Il est fixé là. Je suis encore bloqué, j'en peux plus du jeu! C'est de la merde! Comment je fais pour ramasser ça, chat? Ok. Les gars, j'ai fixé mon tableau définitivement sur mon étagère, genre. Vraiment. Oh là là. Y'a rien qui va. Oh, pardon, y'a rien qui va, chat. C'est de la merde. Oh, je peux nettoyer sa voiture ou pas? J'ai économisé pour le truc de nettoyage, les gars. Quelqu'un s'enfuit là. Il veut quoi le flic? Il fait quoi? Bye, have a great time. Mais il veut quoi le flic? Ça se trouve c'est un mec déguisé en flic, genre un voleur ou quoi? Comment ça la facture est arrivée là? La facture est arrivée de quoi? Mais je comprends pas les gars, pourquoi lui il part pas? C'est pas grave, c'est pas grave. La facture du cercle. Ça va aller, y'a rien. Ah mais c'est de la merde ça. Ah non. Ok, c'est tout propre. Mais pourquoi les gens ils chient par terre dans ma station service? Ça c'est le problème des gens, ça, c'est qu'ils respectent rien. Genre pourquoi les gens viendraient chier ici? Ça a aucun sens.
C'est un voleur ça, par contre, je peux le jurer. Hey. Il m'a volé mon PQ. Il m'a volé mon PQ. Bonjour madame, désolé. Ok. Et puis là, je l'aurais fini au sol, hein. Je l'aurais fini au sol, rien à foutre. Mais pourquoi les gens ils sont dégueux comme ça? Mais c'est une dinguerie! Et voilà, la grosse merde fumante encore, c'est pour moi. Ta réserve d'essence, mais où est-ce que vous voyez ça, chat? ?0% Ah. Il faut que j'en remette. Je sais plus comment on fait. Ah, c'est ça. Oh, c'est tellement cher. J'ai 200 balles. Bah, FF, en vrai, c'est déjà la merde, là. Hein. Je pense que c'est déjà fini, vraiment. On aurait jamais dû acheter des trucs pour ma femme. En plus, elle en a rien à foutre. Veuillez patienter, madame. Ça arrive fort. Yoshi, c'est une catastrophe. Tout est long en plus. Augmente tes prix au début, même endroit que l'essence, mais dans le prix. C'est 1000 euros d'avoir tapé le flic. 1000 $? Mais j'y recommence le jeu là. Les gars, c'est fini là. Alors là, désolé, tu vas raquer hein, ma cocotte. Là, je te le dis. Mais les gars, 1000 euros. Recommence en vrai. Il se passe quoi si je paye pas? Ok. Les gars, si je paye pas, il se passe quoi en vrai? Rien. Putain, ça, j'ai tellement de choc, ma déco. Fais voir les avis vite fait. Oh, regardez, regardez. Le sol est en mauvais état. Oh, mais 4 étoiles. Vous l'avez très bien conçu. Voilà, hop. C'est le début des bonnes notes. C'est bon, c'est free. Regarde, elle est trop contente. Good morning, madame. Hop. Et voilà. Enfin, 14 euros. You're welcome. C'est free en vrai là. Hop hop hop, une poubelle, rien. Alors ça traîne jamais dans mon établissement. Regardez le nouvel avis. Ah non, les prix du magasin sont élevés. Bon bah ça les gars, désolé mais je dois 1000 euros à la police. Distributeur de PQ, on peut pas encore acheter. On est trop juste. Elle vit ici elle. Bah 60 $. Ok, c'est un voleur. C'est un voleur. Dégage de là, bouffon. Ok. Non, je savais pas, Yoshi, comment ça je peux me connecter à Twitch? Yoshi? Ok. Dans les paramètres du jeu. J'arrive. Ouf. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi, chat? Paramètres Twitch. On pourrait être des clients. Mais attends, mais arrête, c'est incroyable par contre. Comment je fais? Comment je fais, chat?
Ok. Ok. Je sais pas comment on fait après. Il y a un truc dans le chat ou pas, la chat? Merci Oka, merci beaucoup pour les 11 mois. Non. Attends, peut-être qu'il faut mettre un truc comme ça. Je sais pas comment on fait, les gars. Je sais pas comment on fait pour que ça marche. Genre là, j'ai fait un truc, mais je peux pas valider ou faire quoi que ce soit. Attends, je vais tester, les gars. Ok, ok. Nick, on est d'accord, c'est mon pseudo, genre je mets l'inca. Et Chanel, je copie le lien de mon Twitch. Alors attends, point d'exclamation review. C'est marqué en allemand, je comprends rien. Point d'exclamation comment pour parler au streamer lorsque vous êtes visible avec point d'exclamation NPC. Comment je fais ? Je sais pas comment ça marche, les gars. J'essaye là, mais genre je peux rien valider. Ok, Twitch. Retour. Charger le jeu. Charger, attendez, je retourne. Et on va voir s'il se passe un truc. Peut-être qu'il faut que je lance la partie pour voir. Attendez, on va voir, chat. J'essaye vite fait. Ok, alors attends. Paramètres, Twitch. Activer. Bah, je crois que ça marche pas. Hein. Je pense que ça marche pas, les gars. C'est de la merde, je crois. Pourtant, j'ai mis le truc. Tu vas avoir beaucoup de clients et de voleurs. Attends, genre, vous pouvez venir et être des voleurs? Mais non. Vraiment ou pas? Au lieu de faire retour au menu, j'ai fait retour au bureau. Les gars, dites-moi qu'il faut pas tout recommencer par contre. Là, je suis sérieux là. Mince, allez go lol. Non, désolé Valdigo. Nouveau sub goal, 2800 sub League of Legends. Dommage mec. Paramètres. Les gars, Twitch, mais pourtant il y a mon truc, ça ne marche pas genre. Connect. O hot password. Une montagne de frites. Contrôle C. Contrôle V. Merci Swell, merci beaucoup mon petit poulet, c'est gentil, merci pour les 5 subs. Je vais attendre que Tiki lance alors. Eh ben t'as bien raison, vu que c'est le meilleur streamer de la planète sur League of Legends. Par contre, il lui faut vraiment des modérateurs, genre c'est trop grave son chat. Hein. C'est un délire. Les gars, ça marche pas. Bah tant pis, hein, je vais jouer sans vous. Hein. Genre, je peux pas. Peut-être que ça se trouve, il faut que je fasse un truc. Point d'exclamation. Review. 5. Point d'exclamation. Y'a rien qui marche. Je sais pas comment faut faire. Twitch intégration activée. Ouais, je sais pas comment faire. Merci mon Tomus pour le sub offert à bourse, c'est gentil. Chanel, l'Inca. Non, ça marche pas, hein. Ça marche pas, les gars.
Je suis désolé. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça se trouve, il faudrait... Attendez, je teste un truc vite fait. Je fais juste une nouvelle partie en speed, voir si ça change quelque chose ou pas. Genre s'il y a un truc qui se met dans le chat ou ou n'importe quoi. Parce que je me dis, il faut peut-être le mettre dès le début. Non, mais non, il n'y a rien là, on est d'accord. Putain, je suis dégoûté. J'aurais kiffé en vrai. J'aurais vraiment bien aimé. Mais on peut pas. Il y a rien qui doit s'afficher dans le chat de toute façon. Ah ouais, t'as même pas un message. En général, les jeux comme ça, t'as un message qui se met dans le chat, genre un bot. Un bot qui parle juste en mode coucou, tu sais. Mais c'est pas grave, je retourne sur ma game. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Attendez, faut que je regarde. Est-ce que j'ai encore une dette? C'était dans quoi mes dettes, les gars? C'était là-dedans. Oh, let's go, la sauvegarde, c'est avant que j'ai tabassé le flic! Oh, et avant que je mette mal mon tableau! Oh, que oui! Incroyable! Ah, c'est magnifique, ça, par contre, les gars. Mais connard! Mais il est trop con, ce jeu! Ça voulait pas cliquer sur le bus, sur le mur! Et là, je suis encore bloqué. Les gars, je vais péter les plombs, par contre. Et là, je suis encore bloqué dans la station de service de merde. Je suis encore bloqué. Je vais devenir fou. Mais les gars, comment les gens ont pu aimer le jeu? C'est pas possible. C'est full bug. Là, je peux pas avancer. Je suis obligé de sauter pour avancer. C'est pas possible. Il est ingérable, le jeu. J'ai joué 30 heures, zéro bug, mais je comprends pas, les gars, vraiment. Chez les autres, ça buguait pas, mais il y a aucune raison, genre. Je capte pas. I don't get it, guys. Je peux pas le ramasser, putain. Mais c'est pas possible. Il y a rien. C'est quoi, ça? Éponge, lance à eau. Oh! Mais attends, mais je peux parfumer les chiottes et tout? C'est bon, c'est tout propre? Ça, c'est un détail que j'avais pas, ça. Partie est buggée, restart en vrai. Mais non, mais on a déjà restart et ça, on avait le même problème. Genre, je pense pas que ça ait un lien avec la partie. Le jeu est payant, Nina. Ouais, c'est payant. J'ai payé une fortune. Avec mon tableau au sol, purée. Je suis dégoûté en vrai d'avoir ça. J'ai combien? J'ai 110 balles. Je vais essayer de pas claquer mes thunes n'importe comment là. Et juste d'attendre bien. Marteau pour le tableau. Oh non, le clutch. Oh putain, je t'aime toi. Oh là là, oui! Merci. Très heureux que tu joues à simulation de pompe. C'est quoi alors, Nike ou Adidas? Ok, Léo, ça va pour cette fois. Que je t'y reprenne plus quand même. Il te faut de l'essence, ouais, j'ai vu, mais j'ai pas de thune, donc y a pas le choix. Va dans la tablette et fais dépannage. Je suis à l'autre bout du monde, c'est quoi cette merde? Merci Swell pour le sub offert à Léopold. Qui ne mérite pas? Je précise quand même. Ok, bon, désolé monsieur, j'ai eu un petit contretemps. En vrai, par contre, là, c'était fluide pour me déplacer. Hein. Okay. Ça se trouve, c'est la fin des problèmes. Hein. Ok, elle achète des clopes, 6 balles. Et des nouilles. Okay. Ça c'est une personne qui respecte son corps, ça. Ça me fait plaisir de voir ça. Je suis bloqué, ok.
Augmente les prix. Ah oui, putain, bien vu. Attends, c'était dans quoi déjà? Je fais un petit... Oh, vas-y, je mets à fond, en fait. Je mets à fond. J'ai plus bug de déplacement, par contre, je crois vraiment. Lui, il se casse. Il n'y a plus d'essence. Ah, je suis rebloqué. Oh là là, putain. Mais les gars, elle est bloquée pour toujours. Je peux même pas la débrancher. Je peux même pas la débrancher. Ah, c'est pas con ça, Zoro. Mais j'ai pas vu encore comment on fait pour faire des jeux d'argent. Ok. Je demande que ça de faire des jeux d'argent, vraiment. Tiens, je vais commander de l'essence. Ok, camion citerne en route. Elle est bloquée pour toujours. Elle va me mettre une note de merde, c'est sûr et certain. Dans la salle, derrière le bar, où il y a le vigile. Je demande que ça là, d'aller faire du casino, mettre toute ma thune sur rouge et advienne que pourra. Elle est bloquée pour toujours. J'ai un dollar les gars, c'est le début de la catastrophe. Hein. Attends, j'ai pas récupéré les chiottes encore, je crois. Déjà propre. Ah bah ok, tout est nickel. T'as tout avec un dollar, ça va quoi. Je mets un les gars, j'arrive. Je mets un dollar sur le rouge. Voilà les projets. Qui dit mieux maintenant? Je peux rien commander. J'ai pas de sous. Tout est propre. Il y a la dame qui arrive. Elle doit être remontée comme un coucou, elle. Je pense vraiment qu'elle est... Oh là là. Je fume gratuit, là. Je profite. Elle a jeté une clope entière. Oh, le bruit de la clope. C'est une vraie grosse clope, là. Bonjour monsieur. Là le plein pot. Je vais m'occuper d'elle. Je peux jeter les déchets de loin. J'y arrive pas, ça va pas assez loin mes trucs. Bonjour madame. Elle est pas contente. Pourtant il y a 1000 trucs. Elle a pris 2 laits de soja. Hop. Okay. Et c'est parti. Elle a fait les 3C, carburant, clope, caca. Bonjour madame. Elle a mis un truc dans sa poche. Les gars, je vous jure, elle met un truc dans sa poche. Je l'ai vu de mes yeux. Hein. T'as de la chance que je puisse pas te fouiller, toi. Là, ça aurait été un gros coup de matraque dans ta gueule. 84$ pour du lait, ça va, je me fais pas chier. Hein. Les prix sont respectés. C'est réaliste, quoi. C'est ça que j'ai bien aimé avec ce jeu. Ok. Ah bah lui il vient payer aussi. Ah bah non, elle vient récupérer sa voiture. Elle arrive. Bonjour madame. Mais voilà comment elle est lente, c'est trop. Oh cours. Bouge ton cul non. Oh non mais c'est la vieille conne de l'autre fois. C'est la vieille conne de l'autre fois les gars. T'as l'onglet prêt sur ta tablette si jamais. OMG. Non, non, jamais. Règle numéro 1, jamais faire de prêt dans ce genre de jeu. Okay. Jamais, au grand jamais. C'est la règle numéro 1 de tous les jeux comme ça. Quand tu fais les prêts, c'est le début des problèmes. J'ai pas raison, la team. Bye bye. Bye bye. Il est trop content. Elle se barre pendant ce temps, nouvelle voiture. Elles sont toutes dégueu les voitures. Hein. Et là, je l'attends carrément. Comme le parfait employé que je suis. Bonjour madame. Hop, allez-y, faites-vous plaisir. Je vais vous nettoyer un peu le dessous. Hop. Putain, je peux plus nettoyer. Ah, c'est bon. Hop là, et voilà madame.
Oh les ronflonflons. L'expression elle me met bien. J'avais oublié qu'elle existait, elle me met très très bien. Les ronflonflons, putain de merde. J'aime bien. Franchement, elle me plaît beaucoup cette expression. Les gars, guettez ça. Oh, pas mal. Allez, easy. Bonjour monsieur, mais madame, ils ont tous les voitures dégueulasses par contre, hein. Allez, par ici la monnaie. C'est un voleur ? Non, c'est des clients. Plus tu vises haut, plus tu vas loin. On dirait une phrase motivation sur Instagram. 100$. Mais je peux réparer le truc de nettoyage. Allez, casse-toi avec tes deux boîtes de pois chiches, toi. Laisse-moi me barrer d'ici. J'ai affaire. L'Inca apprend pas de ses erreurs. Mais les gars, mais regardez l'état de ma station service. Bien sûr que j'apprends de mes erreurs. Allez, hop. Ça, c'est gratuit, ça. Ah, mais il y avait encore des trucs. Mais non, en fait, c'est là, je viens de les avoir là. Mais à gérer tout seul, ça va commencer à être un peu le bordel, non? En vrai. Il a payé son amende, non, j'ai reset. Hello. Hello. Oh, j'arrive, madame. J'arrive, j'en profite pour mettre un petit coup à la station. La vache, la gueule de la station, tout est dégueulasse. Mais il s'est passé quoi? Ok, il y a une voiture qui veut se faire laver. C'est la merde, les gars. C'est déjà la merde. Bonjour, madame. 80$. Eh ouais, plein d'essence plus de... Ah, mais tout à l'heure, c'était pas deux produits. 80$, c'était deux produits plus le plein d'essence, chat. Merci, Choup. Ok, bougez pas. À quoi ça sert l'éponge? Attendez madame, attendez. Bon, vas-y, casse-toi pétasse. Trop méchante. Attends, et si je les nettoie? Ils sont contents là? Je sais pas à quoi elle sert l'éponge. J'ai aucune idée d'à quoi elle sert l'éponge. Le bad boy, avec sa voiture de bad boy. Ok, je trace, et que ça tousse. Il y a des déchets par terre. Saloperie partout. Clope et courgette. Hop, bye. Bonne journée. Laissez-moi partir d'ici très vite. Il y a beaucoup de trucs à gérer, il faut que je remplisse l'essence là. J'ai que 13% d'essence et là. Vas-y, je fais petit à petit. J'ai pas l'impression qu'il y ait une taxe quand tu commandes l'essence. Ça me fait de la thune ou pas? $40. Mais attendez, mais c'est incroyable en fait. Vous savez qu'avec la station service, je vais être très riche très vite, hein. 100$, ça. Ça, je le mets à ma poubelle. Là, j'ai du client. En veux-tu, en voilà. C'est le début de la réussite. C'est le début de la richesse, vraiment. Okay. Merci, monsieur. Bonne journée. Il fait trop chaud ici. Je vais acheter une clim, monsieur, d'accord. Bonne journée, madame. Okay. 23 balles. Putain, l'inflation, c'est quelque chose, hein. Là, on commence à être bien. C'est pas la roulette de jeu d'argent, c'est un jeu de blackjack. Je sais pas jouer au blackjack. Vous pouvez me rappeler ce que c'est le blackjack dans le chat? Je vais vous dire si je sais jouer ou pas. Mais je crois que je sais pas.
Il veut pas venir laver sa voiture, lui. Tu dois pas dépasser 21. Ok, je t'ai joué. Je me rappelle, en fait. Au-dessus de 21, t'as perdu. Oh, c'est bon, je me rappelle, en fait, ce que c'est. C'est un black qui s'appelle Jack. Oh, elle est bonne, elle est bonne. Allez, merci Ninix, merci beaucoup. Link amour. Ok, ça c'est nickel. Pense à save au cas où ça. T'as raison. Sauvegarder, et voilà. Easy. Je vais recommander de la bouffe et tout, je pense. Oh, il y a quelqu'un qui a besoin de mes services. D'urgence. Regardez bien, $40 hein, qui tombe du ciel là. $42, c'est trop abusé par contre ça. Hein. C'est une dinguerie. Ok. Ok. Lui, je lui mets ça vite fait dans sa belle petite voiture. Je cours là-bas après. Ma station, elle est nickel. Il y a un petit défaut quelque part. Vlamdam. Hop, bonne journée. Station nickel. Je nettoie le caca et je suis 10 sur 10, je pense. Ah non. Hello. Hello. Thank you. You're welcome. C'est PewDiePie ou quoi, mon client, là? Pff, $130. Ok. Oh oui, mon gourmand. Oh oui, mon gourmand, c'est le braquage de l'année. Ça, c'est quoi? C'est du pchit, merde. Non, pas, madame, c'est pas ce que vous pensez. Mais non, vraiment, c'est trop de la merde, ce truc. Et je vais devenir fou, Ali. Ok, c'est bon. J'ai débranché sa voiture, ouais. Elle vient, elle arrive. Là, c'est tout propre. Attends, je vais lui mettre du pchit avant qu'elle arrive. Ok, ça sent bon. Et quelqu'un a dit, il fait trop chaud. Est-ce que je prends une clim ou pas, chat? 300 balles, hein. Pff, non, hein. 300 balles, autant garder pour avoir plein d'essence, on verra plus tard. Je suis comment niveau avis client? Ok, ok. N'utilisez pas les toilettes s'il n'y a pas de papier pour vous essuyer le cul. Bon, ben voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Hein. Hello. Hello. Les toilettes sont fumantes. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai un client à $40 là-bas, j'encaisse les deux. Oh waouh, $113. Okay. Les gars, je vous jure, augmenter mes prix, ça a été le choix de l'année. Oh, mais vous avez vu, j'ai encore une étoile comme si j'étais recherché par le flic. Okay. Mais par contre, j'ai pas l'amende. Pourquoi il y a les flics? Oh non, comme par hasard, au moment où je parle des flics. Pourquoi il y a les flics, les gars? Mais il se passe quoi, là? Ah, c'est genre, je suis fatigué, c'était la première journée? Je pense que c'est ça. Oh, c'est stylé. C'est stylé, là, de nuit. De nuit, j'aime bien. Oh putain, j'allais le rematraquer. Bonjour monsieur. Rien d'illégal trouvé. Hop là. Mais attends, comment ça, rien d'illégal trouvé? Rien d'illégal? Tu peux avoir de la drogue et tout? Je pense que oui, hein. Tu peux acheter de la drogue, tu peux vendre de la drogue. Oh que oui, je vais faire ça. Ça me correspond très bien de faire ça. Le grand banditisme. Faut que j'aille dormir, je suis crevé. Faut que je retrouve ma petite femme. J'encaisse le dernier client et hop.
Est-ce qu'on va faire des jeux d'argent de chat ou pas? Parce que là, je vais avoir 600 dollars, hein. Pourquoi ils sont tous pas contents, punaise? Et si on faisait un peu d'argent? Je suis au magasin, le soir, viens me trouver. Oh que non. Oh que non, les gars, je vais pas le faire, ça sera un truc illicite. Ça sera un magasin illicite, ma station. C'est hors de question que je vende de la drogue. Ça se vend bien, bon d'accord. D'accord, je vends de la drogue alors. $140, okay. Allez, bonne journée, merci, au revoir. Il est où le mec pour la drogue? Il est caché où le coquin? Au bazar. C'est où qu'on fait les jeux d'argent? C'est au bazar aussi ou pas? Chat. Oui, ok, parfait. Je prends de la drogue et je joue. Et je fais des jeux d'argent ce soir. Il est où le mec de la drogue? J'en étais sûr. Mais t'es un fou, toi? Mais j'en fais quoi, les gars? J'en fais quoi? Envoyez vers la station service, ok. Ok, je commence tranquille, les gars, avec 100 balles de drogue. Je sauvegarde avant. Là, ils ont 20 en face, là, c'est ça? Ouais, mais quand j'essaie, il y a marqué t'as peur de perdre ton argent. Les gars, attendez. En face, il a 20. Bah, je suis obligé de tirer, de toute façon. Non, bah, c'est FF, là. Hein. Petite main à 100 balles, les gars, là. Ok. Mais putain! Pourquoi dessiner quand ils ont traduit draw? Par dessiner, c'est vraiment des glands. Ok. Merci, petit chat. 12 mois, link à love. Allez, burst! Burst! Mais sérieux! C'est quoi ce jeu de con? Merci, petit chat. Oh, 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 let's go! Allez, hop, ça continue. Ils veulent plus jouer ce soir. Quoi? Mais si! Mais c'est de la merde! J'ai autant de thunes que quand je suis arrivé! Ils veulent plus jouer ce soir. Donc, ça y est, je gagne une fois, ça veut plus jouer, bande de chiens. Les gars, regardez bien. Regardez bien ce que je vais faire, les mecs. Regardez bien. Vous avez jamais vu ça. Les gars, regardez bien. Oh oui! Oh oui! Allez hop, c'est comme ça qu'on fait de la thune. Bonne journée, ils veulent encore jouer ou pas? Allez hop, c'est moi qui veux plus jouer. A plus les bouffons. Je vais offrir de la drogue à ma femme.
Là, si en amour, j'ai pas 100 sur 100. C'est verrou, sinon non, je tricherai pas. Pas tout de suite. Bébé. Mais si, putain, mais pourquoi elle veut pas de cadeau? Bon, déjà, elle veut pas de drogue. Elle veut plus me parler. Attendez. Elle m'aime de moins en moins. Mais pourquoi je pouvais lui parler et après je peux plus, putain. J'ai envie qu'elle m'aime. Elle m'aime à 39, c'est de pire en pire. Dans la maison, il y a aussi ta mère dans la, à laquelle tu dois ramener des médicaments. Eh ben, elle va attendre un peu la Madrella, malheureusement. Malheureusement pour elle, elle va devoir attendre un petit peu. Elle m'aime à 39, en vrai, c'est trop sad. Mais il y a déjà des clients. Et on a un event qui arrive. Ok, une nouvelle journée commence. Propreté au max. Client au max. Poubelle stinky. Oh, y a ma cocaïne qui est comme ça. Good morning. Good morning. Ah mais tu la mets comme ça la drogue? Là la drogue elle est en vente chat? Ou pas? Oui, ok. Ouais, voilà, si vous voulez de la drogue monsieur. J'ai 900 balles, mais les gars, je vais fabriquer un truc, hein. Merde. Ah ouais, bah ouais, là, je me modernise, hein. Je vais acheter la clim aussi, bien vu, ça. C'est pas à fond et pas à fond. On a plus d'essence. Attendez. Ok, je me mets full essence et prochaine fois que j'ai de la thune, je clim. Voilà le plan. Il y a un voleur. Casse-toi de là. Là, on est bien, là, c'est free. C'est free. Il y a la grosse livraison d'essence qui arrive, les clients qui viennent pour payer. Madame, bonjour. Hop là, ma gourmande. Oh, le bénéf. Je paye 50$, je revends 120. Okay. Je vais acheter la masse de coke demain soir. Pourquoi ils sont tous pas contents, putain? Oh les gars, un peu de bonheur non dans votre vie? C'est si compliqué que ça? Hop 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 hop. Attention, déjà plus qu'un pain de drogue, après il n'y en aura plus. Les gars, regardez la thune que ça fait la coke. Oh, encore. J'ai plus qu'un pain de coke. Et merde. C'est dommage. Oula, attention, très dangereux ça. Des 100$ de partout. Non mais là par contre vraiment les gars... Let's go, nouveau record 16 mètres. Tout s'enchaîne trop bien, c'est une putain de bonne journée là. Hmm. Hey. Allez, achetez la dernière coke vite.
Il faut que la coque ça parte vite là. Ok. Ça m'inquiète, si le flic il se pointe pendant que j'ai la cocaïne, c'est la merde. Okay. Allez, encore. Je vais augmenter les prix de tout, j'avoue. Attends. Tout vaut la peau du cul, moi je m'en fous. Hop. Voilà. Voilà, ma station, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Ok. Ok, là ça commence à faire de la peine mon truc. Je me fais une commande de bâtard. Hein. À 700$, c'est trop merde. Ok, ça part. Ça, c'est bon. De toute façon, l'essence, je suis bien pour le moment. Donc, on s'en fiche un peu. Oh, accident bientôt. Ok, les gros porcs encore comme d'hab. Et merde. C'est automatique l'autre là-bas. J'ai rien à faire, on est d'accord, chat. 63$. Oh, le bonheur. Le bonheur à l'état pur. Et ça, là, ça va me faire des thunes tout seul. Clim, je sais pas, en vrai. En vrai, les avis des clients, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu. Il y a quand même des clients. S'il te plaît, achète ma coque, mec. Ça me stresse d'avoir ça dans le magasin. Oh oui. Vite avant que les flics, ils arrivent. Allez, bonne journée. Good morning. Ok, mes prochains clients, ils vont vraiment faire la gueule, les gars. Bye, have a great time. Ils vont en faire la gueule, hein. J'ai plus rien. Good morning. Ah ouais, y'a plus rien. Bah ouais, t'es dégoûté, hein, normal. Mais ça, faut faire un truc après ou pas? Ah ouais, je peux lui faire un service plus en gros. Oh, j'ai poussé sa voiture. Maintenez F pour appuyer, ok. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, on enchaîne là. Le bug de déplacement, il est passé un peu, j'ai l'impression. La livraison, il faut que je m'en occupe. Mais il m'amène pas grand chose le mec, hein. Ok. Ah, mais du coup, il y a plusieurs livreurs. Je croyais qu'il y avait qu'un seul livreur en fait depuis tout à l'heure et c'est pour ça que c'était long, mais en fait là j'en ai plusieurs. Prends Zonama Extra, ça va 1000 fois plus vite. C'est quoi Zonama Extra? 250$ par jour. C'est trop cher, les gars. C'est trop cher en vrai. J'ai pas beaucoup de clients donc on s'en fout là, je pense, hein. Really? Première meuf intelligente qui coupe au milieu. Pour 3 jours, non? Pour 3 jours, c'est pas mal en vrai, par contre, non? Good morning. Vous me dites, chat. C'est worth ou pas, les gars? 50$ de livraison, ça se rentabilise. Ah oui, c'est vrai, je paye 50$ à chaque fois. Allez, vas-y. C'est bon, je suis un membre extra. Ok. Et là, du coup, est-ce que tout arrive d'un coup? Pas du tout. Je pensais, mais non. Oh là 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 là, le pro. 34 mètres. En détente, les gars. Ok, j'essuie la merde. Ok. Merde, je me suis trompé de touche. Ok, bonjour messieurs, dames.
Hey. Elle vient juste pour acheter des Nesquik à 8$. Hein. Pas mal quand même. 106$. Bye, have a great time. Je suis riche, les gars. Je suis vraiment riche. Ah. Mais en fait, même, okay. Même ça, ça me rapporte de la thune. Hmm. Allez, bonne journée, mon ref. Bah, ça s'enchaîne, les Nesquik encore qui partent comme des petits pains. Ok. 8$ Nesquik, hein. Les riches. Mais les gars, les Nesquik, je vais racheter les Nesquik. Bye, have a great time. Bye bye. Mais les gars, mais regardez le monde qu'il y a chez moi. Okay. 16$ le thon. T'as commandé là, non? Bah j'espère. Ok. Non mais là, là les gars, c'est la merde, hein. Ils sont tous nuls à chier. Allez, Daisy, viens. Oh, il a fait ça comme un voleur. Daisy, aucune compétence. Elle va être à la caisse. Après, elle est caissière en même temps, donc forcément, ça me semble être un bon choix pour elle. Si t'appuies sur l'étagère, tu peux ranger plus vite. Ah oui, on me l'a dit tout à l'heure en plus. Je sais pas comment on fait. C'est pas juste pour les articles qu'on a déjà. Après, en soi, ça va vite comme ça. Hein. Pourquoi il y a un fermier? Je sais pas, on saura peut-être plus tard. Balle perdue pour les caissiers français. Bah non, il y avait marqué que c'était un manchot et qu'elle était caissière. J'ai juste speak les facts. C'est une caissière, une étoile, ça va pas être une flèche. Hein. Mais elle est où ma caissière? D'ailleurs. J'ai oublié de la débrancher, ouais, quand même. Regardez la vache. Ok. Mais elle est où, la caissière, les gars? Elle va être livrée dans un colis. Vraiment? Ah non, c'est elle, je pense. Faut vraiment que je rachète de la drogue d'urgence, là. Bah attends, comment elle peut ne pas être contente? C'est une épicerie fine, mon truc. Okay. Elle arrive demain peut-être, ok, ok. C'est Daisy, j'ai cru qu'elle venait me péter la gueule. J'avais pas compris tout de suite. Daisy, démerde-toi maintenant. Oh, comment elle était déterminée à me foutre en l'air. Elle est vraiment arrivée pour en finir là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut cette cliente? Hello. Je sauvegarde, les gars. Mais ça, est-ce qu'il faut vraiment faire mousser ses clients? Je pense que oui. Mais ça, regarde mieux, toi. Tu prends pour Beyoncé, celle-là. F pour appuyer. Eh, tiens. Dégage de là. Mais attends, mais c'est une voleuse, l'autre? Ah non, ils partent avec leur paquet, en fait. Est-ce que les thunes montent? Voleur, non, non, elle partait avec son paquet, en fait, c'était une hacheuse. 60$, allez hop. Ok. Ok. Ok, merci mon Nico, merci beaucoup pour le soutien, c'est gentil. Ok, là on est bien. On est très bien même. Hop, 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 la grosse merde fumante, madame. Bah alors? Faut que j'achète un porte-PQ en vrai, non? Un mec pour l'essence, très bien. Non, bah en vrai, ouais, mais niveau thune, je suis un peu dans la merde, là. Oh, c'était pas mal en vrai, là. Ah.
Mais sérieusement? Ok. Les gars, vous pensez que ça vaut le coup de prendre un employé pour les pompes aussi ou pas? Je me rends pas compte. Mais par contre, ma thune, elle monte pas en fait. La caissière, elle branle rien. Je viens de capter. Oui, de fou, oui. Mais regarde mes tableaux. Oh, Daisy. Au repos. Mais comment ça, au repos? Hello. Hello. Mais attendez, mais comment je fais pour qu'elle soit plus au repos? Ah bah c'est bon en fait, ok. Moi je veux une Daisy qui bosse là, je veux une Daisy en érection. Okay. Pas au repos, voilà, voilà, c'est ça que je veux voir. Et maintenant je vais commander quelqu'un d'autre. Mécanicien, fermier, pompiste, Alex. T'es embauché Alex. Bienvenue dans l'équipe. Oh non. Ok. Les gars? Oh putain. Non, alors là franchement j'étais à rien du tout. On était à rien d'une folie. Là mon pompiste il arrive, mais le temps qu'il arrive c'est moi qui dois m'en occuper je pense. Niveau d'essence, je sais pas si on est bas ou pas. Non, ça va. Ok, ça c'est bon, mais pris tout est à fond. Vitesse de déplacement des employés. Plus de clients à pied. Ok. Plus de véhicules. Mais je pense que ça c'est indispensable, non, en vrai. Les gars. Faut que je fasse petit à petit ça d'après moi. Je prends plus de véhicules. Je l'attente. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais j'ai reçu une méga commande là en fait. Oh. C'est pas de bol ça. Oh mais elle remplit les étagères. Mais elle est incroyable. Elle fait la mise en rayon et tout. Faut que tu règles les fonctionnalités des employés sur leur lobby. Ah merde. Je sais pas comment je fais pour faire. Elle gère de fou hein. Daisy c'est un crack hein. Allez hop au backroom. C'était vraiment ça. Il a disparu en une seconde. Ok, ça c'est good. Ça. 60$ qui tombent du ciel. Alex il est arrivé donc il gère. Il gère ça comme un boss. J'ai plus qu'à ramasser les poubelles et ramasser la merde. Easy. Et ouais les gars, je suis pas n'importe qui moi. Ok. Ça j'appelle pas. Je vais continuer à nettoyer. Ça c'est cher ou pas? $600. Oh la vache. Ça doit rapporter de la thune je pense. Va sur la tablette et employé. Ils sont trop bien les gars. Oh non c'est bon j'ai plus de drogue. Oh let's go on a tout vendu. J'ai rien monsieur l'agent. Hello. Bisous Ricky. Mais les gars en vrai de vrai c'est incroyable là tout tourne. Et en fait du coup c'est moi qui dois collecter la caisse. Mais oui Daisy. Hello. Mais j'ai rien à faire là. Hello. En vrai. Okay. Hello. Pense à avoir des sous en fin de journée pour les payer. Ah. Je croyais que ça se payait genre en automatique moi.
enlève tout ce qui a un rapport avec la drogue. Genre, je gère ma drogue moi-même. Lui, c'est bon, lui, je le laisse faire. Elle, je la laisse pas gérer la drogue. Ok, ça marche. Ça paie en automatique, mais si t'as pas assez, ils s'en vont. Ok. Non, non, moi, je veux qu'elle reste dans l'équipe, elle travaille trop bien. Déjà $150. Bye. Ok, je vais réparer ça. Plus vite, on aura ça, plus vite, on pourra se divertir. Enfin, se diversifier, pardon. Ok, on va pouvoir réparer les voitures. Mais du coup, j'ai plus de thunes, en fait, la merde, c'est la fin de journée, je vais plus avoir de thunes pour les payer. J'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire, je crois. Rien trouvé d'illégal. Eh ouais, y'a rien, ça, y'a jamais rien eu d'illégal ici, monsieur. Et ils sont chers à payer, eux, ou pas? Énergie, elle est pleine aux as. Attends, il me faut vite de la thune, là. Allez, dégage de là. Lui, pareil, il me faut de la thune pour payer mes employés, c'est vraiment urgent. Oh, merde, bah qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment Gas Station Simulator, mais en moins bien. Ça va, chérie? Je fais quoi après la chat? Combien ça m'a rapporté ça? Ouf, $75 pour une roue, c'est pas mal du tout. Hein. Je pense qu'il va falloir que je les paye là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Y'a pas de thune dans la caisse? Il se passe quoi? Pourquoi Daisy elle est AFK? Alex, il est plein de bourre. Mais c'est quand que je dois les payer, les gars? Hello. Hello. Nouvelle facture est arrivée. Comment ça, une nouvelle facture est arrivée? Ah, c'est les employés? Ah non. Ok. Oh, électricité, mais comment je paye les caissiers, les gars? Comment je paye Daisy, les gars? Ça se fait auto. Hello. À 18h, ça s'est fait. Ok, donc là c'est bon, ils sont payés les employés. Je me casse ou j'attends de plus avoir de clients, les gars? J'ai 2 étoiles, ça veut dire que je suis encore plus hors la loi qu'avant, genre? Ferme la station, mais je sais pas comment on fait. C'est la qualité de ta station, les étoiles. Ok, ok. Hello. Mais les gars, je vais se démerder, mes employés. Moi, je me casse, non? Ça va tourner tout seul, là. Il y a tout ce qu'il faut. Je tente d'aller dormir. Attendez, je passe une commande d'essence. Comme ça, demain, je peux te remplir. Ah non, j'ai pas assez. Je ferme ou pas, les gars? Ils auront 0 énergie. Je ferme. Là, est-ce qu'on est d'accord que, du coup, ça va quand même encaisser les derniers clients vu que j'ai fermé la station? Mais j'ai pas assez pour acheter de la drogue là, putain.
Pour Babaxit, je demande, tu veux un conseil pour la drogue? Oui, je veux bien. Donne-moi un 10. Oh, voilà. Voilà. T'as des compétences de pari à augmenter aussi. Oh putain. Bon, en vrai, il est bien le jeu, je dois avouer. Je dois avouer qu'il est, il est quand même bien le jeu. Je vais me ruiner, je m'en fous. Allez. Allez. Yes! Let's go! Je peux jouer combien de fois, les gars? Les gars, je peux jouer combien de fois? Let's go! Allez, hop! Ok, la drogue par ici! Je peux plus rien vendre aujourd'hui, dites-moi qu'il y a d'autres drogués. Je me permets un petit café. Hop les. Ok, je suis trop bien les gars. Là c'est game. Oublie pas les médocs, bah j'ai pas oublié mais c'est fermé. C'est fermé malheureusement. La musique passe tellement bien, le timing était parfait, j'étais obligé de mettre du son. Abusé, la musique est trop forte, je regarderai en rediff sans la musique. Ferme ta gueule, putain. Une longue période et tu pompes comme ça un dure 2 secondes et demie, laisse-nous tranquille. C'est un signe, je pète ma bière. Merci beaucoup. Merci Yetski de péter ta bière, merci mille fois. Les gars, cette fois-ci, ma femme, elle m'aimera plus que 30. C'est maintenant, les gars, regardez bien. Chérie. 59. 59 d'amour. Là, on est full amoureux. Ouais, compétence pour acheter plus de drogue, ça m'intéresse. On trace de fou. Attendez. Je veux que ma femme, elle m'aime à 100. À 100. Je sais pas pourquoi j'ai mis une seconde. Dans 2 mois, ça va faire 1 an. Incroyable, ça passe trop vite. Merci Yara, merci beaucoup. Médicament pour la mère, un autre cadeau pour ma chérie. Mais vous trollez avec ma mère, non, je l'ai jamais vue. Ah mais je peux pas prendre les deux, si? Je peux prendre les deux, chat, ou pas? Ah, je pouvais envoyer à la maison avec F. Aïe, 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 j'avais pas vu. Je suis reparti pour rien. Bah, c'est grave, c'est encore plus romantique si je lui dépose moi-même. Chérie. Let's go, ma chérie. Elle est crazy, elle est crazy. Elle est où, ma mère? Mais vous montez, les gars. Oh non, il y avait vraiment quelqu'un. Oh non, elle a même pas de lit. Je suis bloqué. Santé mentale 44. Aya. Ok, elle est en santé mentale pas ouf, ma mère. J'ai amené des médicaments à tout le monde. Je retourne au bazar. J'en ai pas pour longtemps, les gars, désolé. Oh, le bus, c'est une Camaro.
Envoyé vers maison, ok. Médicaments, je vais faire pareil. Ok, et maintenant je vais à la station service. Et là, on va vider la caisse, ranger la drogue vite. Oh oui, en plus, elle a pas le droit de ranger la drogue si y a les flics qui arrivent. Hop, 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 hop. Ah, mais attendez, là, ça craint, là. Mais je me suis fait voler de la drogue. J'ai que un de drogue. Mais j'ai pas acheté que deux pains de drogue, les gars, si. Ouvre la station, on l'a ouverte déjà. Les flics voient que si elle est sur les étagères, ok. Je crois vraiment que je me suis fait tirer de la drogue, les gars. On doit pouvoir se faire voler en notre absence, hein. $80. Ça vient de s'afficher. Il y a eu une notif. Oh bâtard. Il fait quoi lui? Au repos. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais les gars, là elle est ouverte ou faut que je clique pour qu'elle soit ouverte? Là, c'est ouvert. Ok, ok. Il me faut un mécanicien. Je sais pas, c'est déjà bien, là, non? % de clients en plus, un jour restant. Et il me faut vraiment le mécano vite parce que c'est inintéressant de faire ça. Hein. Moi, je veux juste laver les voitures et la station. Ok, ça c'est bon. Et l'autre, là, ça va lui coûter la peau du cul par contre. Hein. Les boulons, ils sont même pas au même endroit. Ils ont fait aucun effort. Pour l'instant, l'inquiète, t'as une bonne impression du jeu par rapport à avant. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire et c'est cool de pouvoir jouer au casino et de vendre de la drogue. C'est un plus appréciable, je trouve. Ah, meilleur ton magasin aussi, je pourrais le faire quand? Elle a trop chaud, il fait trop chaud ici. Oh, elle a trop chaud ma copine. Il faut que j'achète une truc pour elle. Ok, et là ça arrive direct du coup vu que j'ai l'option de fou là. Oh, c'est quoi ça? Un bureau. Pff, s'en fout non, à quoi ça sert? Améliore ta station d'abord, mais comment on fait? Comment on améliore la station, chat? Table de pique-nique, ok. Marteau sur les pompes. $2,700. Mais on les aura jamais là en vrai. Ça se vide trop, faut que je fasse une grosse commande là. $900, faut que je fasse gaffe. Good morning. Good morning. C'est comme ici, bah, je vais remplir le magasin là. Je pense que ça fera de la thune. Voilà, déjà c'est bien ça. Oh, ça pour ça vendre de la drogue et tout là, c'est nice. La clim pour ma pote. Ça c'est urgent. Voilà. Okay. Combien de degrés il fait? 25, mais c'est hyper abusé. Il fait une chaleur à crever en vrai. Et Amazon Prime, c'est quand même lent de fou là, non? Je paye un truc $250 et y'a rien. Okay.
Tu restes en live jusqu'à quelle heure? Aujourd'hui, il faut que vous me foutiez dehors à 19h45-50 parce que j'ai un ami qui vient à la maison et il faut que j'ai des trucs à faire. Oh, wow. Mais what the fuck? Okay. Ah oui, ok, ça marche bien Amazon Prime, les gars. Good morning. Mes clients, ils sont bloqués par les livreurs. Il y avait un client tétanisé, j'ai vu. L'invasion de zombies, vraiment. Ok, ok. $400, ça va hyper vite les thunes, les gars. Ça, je peux rien faire, je suis obligé de foncer comme ça. Bah après en soi la mise en rayon j'aime bien. Bah après il y a beaucoup de trucs là. Good morning. Good morning. Régalez-vous avec mes bières. Là faut que j'aille faire mousser l'autre truc. Attendez, j'ai des trucs à faire. Y'a rien là à laver, je comprends pas. Ok. Mais mon garagiste, il est porté disparu par contre, hein. Je suis censé avoir un garagiste, il est nulle part. Ah mais si, c'est lui. J'ai cru que c'était mon livreur, enfin mon pompiste. Good morning. Good morning. Ok, bon, faut que je fasse comme ça. Fais pas mousser, ça sert à rien, tu gagnes moins. Ah ouais? Bah ça sert à quoi alors qu'il y a l'option? Poubelle aux toilettes pour éviter les déchets par terre. Bah je sais pas si on peut. Tout à l'heure quand j'ai acheté la poubelle, ça me proposait que ici. Ok. Mais c'est super long de faire comme ça. Mais c'est encore plus long en vrai les gars, non? Contrôle gauche plus clic. Bah non, ça marche pas. Good morning. Good morning. Les gars, ça marche pas. Ça marche pas. C'est bugué. Il y a une amélioration pour aller plus vite. Ah ok. Parce que là, rompiche, hein, je préfère faire comme ça. Faudrait que je recommande une étagère, je pense, par contre. Ok. D'après moi, on va vite être blindé là. Good morning. On peut améliorer la vitesse dans la tablette des améliorations. Putain, mais en fait, tout coûte cher. Là, je vais attendre d'économiser pour améliorer la pompe. Je suis quand même une station-service. Si ma pompe, elle est dégueulasse, bon, c'est pas terrible. Mais vous savez que je dois vendre comme un fou là par contre. Hein. Ok. Good morning. Ok. Plus que deux cartons. On a toujours pas vu de voleur. Les seuls voleurs qu'il y a eu c'était quand on était pas là, c'est pas de chance. Good morning. Bye. Ok, ça c'est bon. 300 balles dans la caisse. On est pas mal hein. Attends, mais du coup, si on suit la même logique, ça je peux aussi l'améliorer comme ça. $1600, oh la vache. Putain, c'est cher. Hop, hop, hop. Allez, casse-toi de là. Saloperie. Ok, j'ai plein de trucs à cleaner. La station elle est nickel en vrai là. Et c'est sûr les gars, c'est officiel là-bas, j'ai pas besoin de faire mousser genre. J'aurais quand même les souris comment elle se tient. Elle est en train d'accoucher ou de conduire là, je comprends pas. On dirait ma meuf à la naissance de ma fille, je peux le jurer hein.
C'est pas une position de conduite ça, monsieur. Madame, pardon. La photo, ouais, mais je sais pas, il donne une éponge, donc je me dis, bah, elle doit servir à quelque chose, tu vois. Bonne année à tous les amis, Linkamour, let's go faire les petites lasagnes VG avec le livre en fond Linkajam. Délicieux ça. Regardez ça, les gars. Oh putain, c'était pas mal en vrai. Hein. Good morning. Elle répond jamais aux gens qui viennent dire good morning, ça me déplaît un peu. Les gars, regardez. Ah non, 1 600 $, merde. On fait quoi en premier, les pompes ou la station? Moi j'aurais fait la station. Je la trouve trop moche. Merci Solal, n'oublie pas de nourrir le chien. Affamé. Mais c'est qui lui? Mais comment je le nourris? Comment je le nourris, les gars? Les gars, comment je nourris le chien? Hello. Mais je sais pas comment on les nourrit, les gars. Pâté pour chien. Ouais, mais je la sors d'où? 60% d'énergie, elle commence à fatiguer mon staff. On peut commander des trucs. Toilette, gérer ma station. Nourriture pour chien. Et il me faut nourriture pour chat aussi. Hello. C'est ça qu'il faut, les gars, en gros? Bye, have a great time. Boîte de thon pour chat, mais c'est où? Je vois pas, les gars. Hello. Bye. Tout en haut, le thon. Poisson en conserve. Ok, je fais une grosse commande, c'est pas grave. Comme ça, je vais pouvoir les nourrir. La thune, elle rentre de toute façon, regardez tous les clients. Mais là, ils doivent être super contents, mes clients. C'est un peu mieux, il y a quand même des 4 et tout. Hein. Je vais checker les toilettes, j'attends la commande. Oh là là, mais putain, c'est pas possible. Il faut que je recommande une poubelle, je profite d'avoir Amazon machin là. Emplacement restant 15. Thank you. Non, vas-y, ça c'est trop cher pour ramasser une clope. Hey. Ah mais putain, mais tout est important en fait là. Attends, déjà je vais prendre ça. On va faire de la thune. Oh waouh! Donc là je vais pouvoir nourrir mon chien. Il faut juste que je trouve ce que c'est le truc du chien, quoi. Faut que je fasse gaffe aux voleurs quand même. Attends, ça c'est du thon ça. Mais comment je le ramasse, les gars, le thon, genre? Quelqu'un sait ou pas? Je comprends pas trop, j'avoue. Fais moins dans l'étagère. Où est-ce qu'il y a une autre poubelle là-bas? Mais j'ai pris combien de poubelles? Mais j'ai trop de poubelles? J'ai plus de poubelles? Ah non, d'accord, on peut là-bas, mais j'ai pas encore de parking, je pense que ça sert à rien. Ok. C'est de la merde, mon lancer.
Je lave sa caisse avant qu'il se barre. Ok. Ah, claque, je donne pas, je viens de finir il y a une seconde. Putain, c'est le bordel, les gars. Alors, attends. Moins pour le pâté. Alors, attends. Hop, j'interagis. Et du coup, poisson en conserve, moins. Ok. Ça marche pas, les gars. Hello. Je sais pas comment on fait. F pour prendre un dans le carton. Ouais, mais faut le carton, du coup. Hello. C'est là. Ok, le chat, il est où? Là? Attends, il faut que ma drogue, elle soit partie. Comment je fais? Comment je fais, chat? Hello. Bye bye. Chat! Hello. Hello. Okay. Le mec part au Népal pour la planter. Non mais attendez, c'est quoi? Je fais comment là? Merci Poti. Oh, le pompiste, comment s'y va? Jette la par terre, ça suffit. Ok, je viendrai les reprendre après ma drogue. Juste derrière le magasin quand la police arrive, ok. Trop chaud ici, ah putain. Hein. Okay. 1600 balles, on peut améliorer la truc. Y'a les flics devant toi. Hein. Policier! Monsieur l'agent! Bah, je sais pas où il est. Oh, tant pis, je balancerai plus tard. Et la bouffe pour chien, c'est où? Je sais pas où elle est la bouffe pour chien, les gars. Ah, c'est là. Nourriture pour chien, moins, ok. Ok, tiens mon petit coco. Oh, mais les deux, ils s'appellent Maurice, non? Comment je l'appelle, lui, les gars? Hello. Comment je l'appelle, les gars? Pascal. Allez, j'ai lu Pascal. Bye. Ça sera Pascal. Ok, ça je mets là-bas en rayon. Je me dépêche, il faut que je m'achète une autre étagère, je crois. Je vais commencer à être vraiment vraiment juste. C'est le prénom de mon père, c'est le prénom de ma belle-mère, moi. Oh non. Oh non, j'ai commandé des glaces. Elles vont pas fondre, les gars? Salut les gars, salut ceux qui arrivent! La drogue, mais oui, la drogue! Hello. Attends, il me faut une étagère. Je vais récupérer la coco, les gars. C'est des glaces chaudes, t'inquiète, tranquille. Prends le double. Bah ben en vrai le double, je pense qu'il faut attendre d'avoir une plus grande station, non? Parce que là, je vois pas où je vais caler une double étagère. T'aurais pu améliorer la boutique, on a dit priorité à ça. À la pompe. Messieurs, dames, la boutique est réouverte. Hello. Petite drogue en détente pour ceux qui désirent. Thank you very much. Hello. Putain, les bonbons, c'est de la merde, je reprendrai plus jamais, ça prend un slot par bonbon. C'est l'enfer. Ok, je pense que j'ai bien fait... Bah, what the fuck? Hello. Hello, mec.
Okay. Ouais, bonbon, plus jamais. C'est trop de la merde. Ça va, j'ai compris que j'étais fatigué. Je ferme la station, les gars. Ok, on a plus d'essence en plus, on commandera demain. Suis le chien. Pascal, qu'est-ce qu'il y a? Merci Pascal. Hello. Ça c'est mon passe-cou. Mort, mange. Okay. Il l'aurait bouffé. Ah bah ok. Alors là il me faut beaucoup de thunes pour le casino. Ça je peux laisser faire les gars, là je peux me barrer en vrai. Okay. What the fuck, Daisy, t'as foutu tes poubelles au sol aussi? C'est une blague, Daisy. Ok, je verrai plus ça plus tard. On en parlera plus tard, Daisy. Là, je peux me casser, les gars. Hey. Okay. C'est bien, Pascal. Il est mort. Oh non. Pascal est mort. Okay. Les gars, il se passe quoi avec Pascal, là? Il dort, ok. Et Momo? Et Momo, il sert à quoi? Le chat a faim, moi, c'est pas bon. Il est mort aussi, non? Bah, allez, je me casse. Je me casse, j'ai fermé le business, je me tire d'ici. Comment je fais pour que eux, ils dorment aussi? Je peux ou pas? Faire dormir les employés? T'inquiète pas pour eux, ok, je m'inquiète pas pour eux. Ok. Et on est parti les gars, y'a plus de carburant, ouais, j'ai vu, je prendrai demain. Attends, si je peux commander le carburant ce soir et le récupérer demain matin? De toute façon, je vais pas me faire voler une citerne. Vous me dites si ça... fonctionne ou pas? Chat? Le pompiste récup. Ah bah hop. Bazar, et vite. L'heure du casino a sonné, chat. L'heure du casino a sonné. Je prendrai la drogue juste avant de partir. Pas grave. Ah oui, mais ils vont plus voir jouer du coup. Ok, c'est l'heure du casino, chat. C'est l'heure d'être riche, exactement. Mais Maurice, tu fais quoi? Ah, mon cou, putain. Papa, il est bloqué du coup. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire bonjour? Oh, viens dire bonjour, mon pauvre petit bébé. Hop! Allez, dis bonjour. Bonjour la communauté. Tu veux pas dire bonjour? T'en fous? Hmm? Ils sont là-bas là, regarde. Ils te voient d'ici. Dis-leur bonjour miaule dans le micro. Tu veux pas? Non, c'est bon. On abandonne. Allez, hop, casse-toi de là. L'heure est venue de jouer au casino, papa. Chargez le jeu. Et on est bon. Des poils de chat partout. Voilà, il vient pour demander un câlin, il en fait un qui dure même pas une seconde, et après il se barre. Ah bah il joue, il est avec ça la mèche. Mais quoi? Allez vas-y, c'est bon. Faut aller se faire foutre là. Double 21, sérieux, vraiment. Je suis maudit, non, sans deck, c'est grave là par contre.
C'est impossible là, putain. Les gars, c'est trop dur de gagner au casino. Ne jouez pas, vous voyez les jeux d'argent, comment ça rend nerveux et comment c'est dur. Il faut jamais jouer les mecs. Regardez, j'en suis la preuve vivante. Attendez, est-ce qu'avec les compétences, je peux parier plus? Genre, parier plus cher. Je peux ou pas? C'est dans quoi? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais... Regardez bien les mecs. Et c'est mon 21 pour l'accueil. Je vais finir par être riche. Ça va finir par marcher, vous ferez moins les malins. Je vous le dis. Merci The Red. S'il vous plaît, allez, une main heureuse. J'en étais sûr. Mais sérieusement, mais c'est un truc de fou, les gars. Non, par contre, le jeu, il me chie dessus, là. Salut, Totor. Le jeu me chie dessus, il faut dire la vérité, chat. C'est pas normal, là. Tu fais des trucs pas très légaux dans ta station service. Non. Non, c'est faux. Prouve-le. Si on pouvait faire ça... Oh non, je me suis bloqué derrière le vigile. Ok. Allez, je tire un 10. Non mais sérieux, je suis maudit les gars. On fait que burst. Que bust. Hier j'ai perdu 15 fois à la suite. Bah c'est ce qui est en train de m'arriver là. Tu vends de la drogue, prouve-le, prouve-le. Prouve-le, trouve une seule trace de drogue dans ma station service, vas-y. J'attends. Voilà. Voilà. Regardez bien. Les gars, regardez bien. Je tire un autre 10. Lui tire deux. Pourquoi tu reset quand tu récupères ta mise? Parce qu'après ils veulent plus miser. Genre quand ils ont joué un certain nombre de fois, après ils veulent plus. Tout à l'heure ça a fait ça. Genre là il burst pas, allez, s'il te plaît. C'est un de relancer quand il y a égalité. Sûr ou pas, chat? Sûr à 100%? Chat? Genre s'il y a un draw ça le fait? Parce que si ça le fait c'est incroyable par contre. Oui, ok. Sûr, c'est comme IRL. ok, bah parfait. Alors, c'est vrai que ça ressemble vraiment là. C'est un truc de fou par contre. Hein. Combien de fois je vais devoir le refaire, les gars? Je veux juste être riche pour refaire ma station. Ça, comme ça, demain j'arrive et j'upgrade direct la station. Paf, on n'en parle plus. Commence avec un as. Non mais allez. Attends, je fais au cas où il y a un néga. J'en peux plus. J'en peux plus les gars. J'en peux plus. Prochainement si je gagne pas, je me barre. Pas compris les règles du jeu de cartes. C'est pas dur, tu te pioches.
Le but, c'est d'arriver à 21 ou d'être le plus proche de 21 possible et d'avoir un meilleur nombre que l'autre. Sans jamais dépasser 21, c'est juste ça, en gros, le but. Tiens, bon, c'est worth it, hein, c'est clair que c'est worth it. Faire 3000 balles par soirée, c'est carrément cool. Oh, mais il y a carrément plus de table. Yes. Let's go. Ok, sauvegarder. T'as peur de perdre ton argent? Oui. 2000 balles, les gars. Ça, c'est l'amélioration de la station service demain. Mais mec, tu commences toujours avec un as. Eh bah ouais, forcément. La daronne qui attend toujours ses médocs, elle va attendre longtemps. Pomper magasin, 1600. Ouais, il me faut 4000 balles pour pomper magasin. Un peu plus même, je crois que c'était 1600 et quelques. C'est long là. Squelette, c'est pour la bonne cause. Non mais mec, sérieux ! Mais il est béni, il est béni. Allez, donnez-moi un roi, une tête, s'il vous plaît. Oh oui, ah oui. Tu peux rejouer ou pas ? Tiens, tu peux rejouer ? Allez, un as, un as. Ok, je stay. Allez, hop, bonne journée. Merci, au revoir. Non, je peux rejouer ? Les gars, là, c'est le... Là, c'est bon, là. C'est incroyable, en vrai. Je refais une dernière fois. Je suis un peu accro, c'est vrai. C'est mon toxic trait qui revient, là. Qui revient au grand jour. C'est le retour de l'addiction, putain. Tu peux encore une dernière fois. Je stay, il burst. Yeah, let's go. Allez hop. Au revoir, bonne journée, merci. A plus les bouffons. Il me parle en langage des signes ou il veut me faire un truc sexuel chelou un peu, je comprends pas là. Mais ça me vaut pas le coup, hein. 3 pains de drogue, j'en prends plus. Le ratio risque, récompense, franchement, gagner 100$ pour essayer de me prendre une amende de je sais pas combien, je le ferai plus. Hein. T'aurais pu continuer. Prochaine fois, les gars. Là, attention aux voleurs de coke, ben on verra. Au pire, j'aurais régalé un voleur, voilà. Mes commandes, elles arrivent où, chat? Ok. Maman? Voici les pilules pour ta santé mentale, maman. Mais attendez, mais t'es ma mère, en fait, la cliente casse-couille. Du début, qui m'a mis une mauvaise note. Elle est presque à 100%, ma petite amie. Ok. Les gars, attendez, parce que là, c'est lunaire. Ma meuf doit acheter des bières pour ce soir parce qu'il y a mon pote qui vient. Au lieu de dire « Chérie, t'as pris les bières », j'ai envoyé « Chérie, t'as pris la drogue ». C'est à cause du jeu. Les bières. Elle m'envoie 3 points d'interrogation. Je joue à un jeu où on peut acheter de la drogue. Parfait, merci. Bref. Mais PTR, là, je suis matrixé par le jeu. L'agent du FBI qui vous espionne va envoyer les collègues demain à 6h. J'espère que non, en vrai, catastrophe, là. Ok. Ok. Ok, et ok, ça c'est bon.
Après, maison. J'y retourne, je veux voir la réaction de ma chérie quand elle est à 100%. Johnny qui va se ramener avec un kilo de coke. La meuf qui est vraiment trop premier degré. Bah tiens, bah du coup j'ai pris de la drogue et tout, mais what? Ok, ça c'est bon. Maman. Mais tu me dis que la santé mentale ça va pas, elle est tout le temps là. Chérie. Oh, what the fuck? Pas réussi, il y a marqué pas réussi, j'ai loupé le sexe. J'ai loupé le sexe. Attends, mais what the fuck? Il y avait marqué pas réussi. Les gars, ça arrive à tout le monde, ok, d'avoir une petite panne. Putain de merde. Mais ça se trouve, fallait que je clique ou que je fasse un truc, non? Les gars, fallait que je fasse un truc. Tu as perdu le sexe. Putain! Je fais que perdre au sexe! Mais elle ouvre automatiquement ma station en fait. Y a pas l'essence, bande de chiens. Le livreur d'essence, il est pas venu? Ok, attendez. En loose trick. Voilà! Là, ça a de la gueule! Alors toi, tu crois que je t'ai pas vu? Hop là, c'est ma drogue, en fait. En fait, c'est ma drogue, ça. Je t'apprends. Ouais, je vais acheter les pompes à essence en plus. Ok, Amazon. Bornes électriques. C'est où les bornes à essence, les gars? Là. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Les gars, est-ce que pendant le sexe avec ma chérie, il fallait que je fasse un truc là? Je comprends pas, elle était comme ça en gros? Elle bougeait plus? Il fallait que je fasse un truc genre pour... Oui, comment on fait? Spam clic gauche. Je vais aller la baiser bien comme il faut. Je resterai pas sur l'échec, je m'en fous. Je m'en fous, chérie. Chérie, j'arrive. J'arrive à poil. Rien à foutre. Je vais au bazar, j'achète un bouquet de fleurs et on repart en couille là. Je m'en fous. Je resterai pas sur un échec, c'est mort. C'est mort de chez mort. Madame, bonjour. Je remets ça. Attends, il me faut les médicaments pour ma mère. Attendez, tant qu'à faire. Autant joindre l'utile à l'agréable. 35 balles, on est bien aux États-Unis d'Amérique là, je vous le dis. Hein. Et t'inquiète, c'est Twitch friendly. Bande de sales mythos. Jurez-le maintenant. Je veux qu'il y ait marqué mission réussie. Les gars, s'il y a un bzz qui sort, je deviens fou, je vous banne tous. Je vous banne tous. Hop là, j'ai jeté ça. Maman? Oh non. Oh non, chérie, elle veut plus le sexe, je pense. Oh, putain, fais chier, bon, je reviendrai plus tard. Ils veulent plus faire le sexe, les gars. Et là, échange avec la daronne, hop. La glissade. Ok, c'est pas grave. Pour le moment, c'est bien. So far, so good, comme on dit. La femme veut plus le sexe. C'est pas grave. C'est pas grave. On enchaîne. Je vais poser mes nouvelles stations. Enfin, mes nouvelles pompes. Et là, j'enchaîne. Ok. 13-10 minutes. Ça va le faire. Par contre, j'ai que 1000 dollars.
Il y a aucun client. Mais elle est fermée, ma truc ou quoi là? Mais non, c'est bon, il y a des clients en fait. Il va me falloir le porte-chiottes à un moment. Enfin, le porte-PQ, pardon. Mais je veux juste être la nuit là. Oh là là. Attention, un globe, c'est vrai. Mais il y a ça à améliorer là, mais j'attends. Là, les clients affluent, ça va commencer à être pas mal, je pense. Ok. Et achetez la drogue vite, s'il vous plaît, les clients. Il a faim, lui, ou pas, Pascal? Pas faim. Ok, Pascal, pas faim. Lui, c'est bon. Là, il sait plus où donner de la tête, le pompiste, carrément, c'est incroyable. Ok. T'as suivi l'ivoire dans le portail? Non, je pouvais pas. Peut-être que je pouvais pas parce que c'était le tuto et que maintenant je peux. Je sais pas. Les caisses, ça va très très vite. Plus que 300$ les gars et on peut déjà comment améliorer ça. Ça va faire du bien en vrai. Hein. J'espère que eux ils vont laver leurs caisses après. Ah mais putain, je les ai pas mis dans le même sens en fait les trucs. J'avais pas vu qu'on pouvait choisir l'essence. Sans mauvais jeu de mots. Il va chez le mécano lui je pense. Ah non, il va là-bas. Ok, je laisse faire. Améliore les pompes. Comment on fait chat? Attends, je vide la caisse d'abord. 4$. Mais genre ça va me rapporter plus de thunes ou pas du tout? Je peux pas tant qu'il y a un véhicule. Ça doit être quand la pompe elle est fermée, je pense. Je peux pas me permettre de fermer l'établissement, chat. Allez, ça arrive vite, j'améliore ça, je ferme les pompes après. Pas la pompe. Ah, c'est quoi alors qu'il faut faire? 4 000$. Demain, c'est bon. Ça peut pas être amélioré tant qu'il y a un véhicule. Si, si, laissez les pompes, les gars. C'est juste, bah, faut que j'attende. Ok, là, normalement, je vais pouvoir après. Bonjour, madame. Hop, bonjour, monsieur. Dame, monsieur. Merci, Lindsay. Hop, la thune, c'est bon. Là, c'est merveilleux. C'est bon, ça, je peux améliorer. Magnifique. T'as vu ça un peu? Regarde Daisy! Daisy, elle est en pleine forme en plus? Oh là 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 là! Mais oui! Hop hop hop, je t'ai vu toi! Gros bâtard, va! Oh! Notre chien, il a arrêté un voleur! Le chien a arrêté un voleur, les gars! Mais si on va le foutu en l'air, t'inquiète, sera pas foutu en l'air quand tu auras les rayons remplis et que on sera riche. Pas d'argument, mais quand on aura plein de rayons, quoi, en gros. Par contre, Daisy, va falloir vendre un peu mieux là. 30$. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Daisy? Il est venu pour un coup de nettoyage qui a duré une seconde, lui. Tu viens de jeter 2 canettes pleines. Mais pourquoi elles étaient par terre? Pourquoi elles étaient par terre, chat? En vrai? C'est quoi ça? C'est un autre shot. Ah, c'était sur le pendant le déménagement, quoi, en gros? Oh, 2 trucs de cocaïne à la chatte, elle? Oh, la grande gourmande! Tu tirais d'affaire, y'a plus de coke? Ah, si, y'a un truc de coke à vendre encore. 300$. Good morning. Faut que la journée elle passe plus vite là. Faut que la journée elle passe beaucoup plus vite. J'ai envie de jouer au casino. Je veux juste jouer au casino en fait, c'est tout. Me faire des millions d'euros et point barre.
T'as plus d'essence? Oh non. Merci les gars, j'avais pas vu. Heureusement que vous êtes là. Mon chien, il doit avoir faim après la chasse qu'il a faite, non? Je sais pas où il est. Mais attends, mais ils sont où mes animaux? Maurice, Pascal? Ok, Maurice, il est là. Pascal est où? Ça, c'est ma mère. Attends son tour, voilà, attends ton tour. La coque qui passe au calme à la caisse enregistreuse. Bah ouais, c'est normal, hein. C'est 2023, les gars. 2024, pardon, c'est comme ça maintenant. Pas faim, parfait. Parfait, ils ont jamais faim en plus, c'est incroyable. Eux là-bas, il faut que j'aille nettoyer très vite. Après, on va vider la caisse. Mais regardez, les gars, je commence à avoir des voitures un peu de luxe qui viennent là. Le 4x4 qui est là-haut, on en a jamais vu des comme ça. Hein. Là, c'est plus haut de gamme, là, ma station, je pense. 400 balles. Hop, l'essence. Bah, 800 balles, faut que j'augmente le niveau de parieur, bien vu ça. Ok, c'est vraiment dur. Carrément, il y a des embouteillages à la sortie. Oh, 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 petit accident. Il y a des embouteillages à la sortie de la station service, les gars. Ok, non, la décharge, on s'en fout du coup. C'est vite le bordel, là, ma station, par contre. Autant je prends quelqu'un qui fait le ménage aussi, non? Chat? $300. Mes compétences. Bye, have a great time. Vitesse de déplacement, ça c'est bien ça. Ok. Hello. Merde, j'ai plus assez. Ah, c'était $1, j'ai cru que c'était $1000. Putain. J'étais trop heureux. Il est quelle heure? Il est 40, faut que je fasse gaffe. Laisse Daisy tranquille. Daisy, je veux qu'elle sorte la thune, là. J'ai besoin de thune. Pas faim. Bonjour. Bon, mais il a parlé français? Il a dit bonjour, lui? Regardez comment il est distingué. C'est un français, il est tout classe. Bon, il a de la merde sous les bras, mais à part ça, il est nickel. Bonjour. Bonjour, monsieur. 5 minutes avant de partir. Ouais, faut vraiment que je fasse gaffe. Par contre, aujourd'hui, j'ai pas le droit à... Pardon. Ok, $1000. J'augmente mes compétences de parieur. Ok, et là, il nous reste... Putain, la journée, elle va être longue. C'est à quelle heure que je suis fatigué et tout, déjà, les gars? Dans le jeu? Je précise comme si c'était pas évident. 18h. Donc il me reste 3 minutes en gros, c'est ça, avant qu'il soit 18h? Ou ça marche pas comme ça? Va faire le sexe avec ta femme, elle voudra pas. Elle voudra que ce soir. C'est ça, ok, j'attends 3 minutes. J'étais en 3 minutes, je vais faire le sexe et après on est bien. J'ai rien à nettoyer. En vrai, ça sert à rien que je paye quelqu'un pour nettoyer, je peux le faire. Il me reste que ça à faire dans le jeu là. Il faut que j'achète un truc pour les rouleaux de PQ aussi, hein, vraiment. Ils sont plein de merde et tout, c'est dégueulasse. Ok, $256. Je prends au cas où parce que sur la fin de journée, il faudra payer les employés. Est-ce que ma drogue, elle s'est vendue? Ouais. Là, le garagiste, il gère. Ça, c'est bon. Ok, au revoir, monsieur. Bonjour, madame. $60 qui tombe du ciel, ça m'est vraiment trop bien. Ok, bah j'ai rien à faire en fait là.
Les 26h, t'es malade, tu vas sourire, ouais, ça va être horrible. Ça va être vraiment horrible. J'espère que vous serez au rendez-vous pour me soutenir et me tenir les yeux ouverts pendant, quand je dormirai sur mon ordinateur. Ok, ça c'est bon. J'ai rien qui est ça. Les gars, je n'ai rien à foutre là. Je peux juste attendre. Mais regarde, ça me fait un dessin d'éponge. Ça veut dire que j'ai un truc à éponger. Mais alors où? Comment je sais où est-ce que je dois éponger, les gars? Ah, mais ok, c'est que je peux soit Karcher, soit mousse. Ok, d'accord. Améliore ta citerne. On peut? Ah, mais là, il me faut des sous pour parier, là. Eh ouais, on peut. Je savais pas, ok, je le ferai la prochaine fois. Là, j'achète rien, les gars. Achète des trucs, non, non, non. Là, j'attends d'avoir le plus de sous possible pour après aller jouer au casino. C'est le plus important, en vrai. C'est ce qui carré le plus. Essence basse, ouais, j'ai vu. Ça fait chier, malheureusement, je peux pas trop m'en occuper, là. Là, le mieux, c'est vraiment que j'attende 18h et que je fasse des économies, honnêtement. Que je fasse les thunes ailleurs. 19h43. Putain, je suis accro. C'est long, 18h en vrai. C'est beaucoup plus long que... En fait, une minute, c'est toutes les 3 secondes, genre. Je suis baisé, les gars. Je devrais le faire la prochaine fois. Vous pensez que je peux aller ken ou pas, là? On fera la prochaine fois. Les gars, prochaine session sur le jeu. Je fais jouir ma femme. J'y arrive. J'y arrive la prochaine fois. Demain, retour de la station. Ok, oui, Nina. Y a pas le choix. Oh! Quand? Demain! Demain, titre! J'ai fait jouir ma femme! J'ai pas le choix, je dois couper, les gars. Ah ouais, non, ça coûte très cher, là, par contre. Cat. Merci d'avoir suivi le live. Merci de m'avoir soutenu. Demain, on remet le couvert. Rendez-vous 16h. Demain, j'ai la plus grande station de tous les temps. Je suis accro. C'est trop bien, en vrai. Genre, au début, je me suis dit, le jeu, il est pourri, il est moche et tout. Mais en fait, il est cool. Il est plus addictif, je pense, même que Gas Station Simulator. Après, il manque juste le côté décoration des magasins et tout ça. Mais, vu qu'on peut jouer au casino et faire l'amour à sa femme, ça remonte le niveau, je trouve. Chat, bisous, merci d'avoir suivi le live. Passez une belle soirée, merci au Modo d'avoir modéré. Merci à ceux qui ont soutenu, offert des subs, etc. Comme d'hab, ça bouge pas. Rendez-vous demain 16h à 20h.